Okay, Eric De Camp is now here. Hello, Eric. So we were just waiting for you. I already introduced committee members. So, Laure, tu as 45 minutes. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Je vais lancer le timer. Bonjour. Vous voyez bien mes slides? Vous m'entendez bien? Voilà. Oui, parfait. Parfait, merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats de mes travaux de thèse qui concernent la prise en compte d'une anisotropie variable en modélisation géologique 3D à l'aide de la méthode du potentiel. On s'est intéressé dans notre cas au cas particulier des structures plissées. Donc cette thèse elle a été réalisée au sein de l'équipe géostatistique au Centre de géosciences de l'École des mines de Paris à Fontainebleau et en collaboration avec l'équipe modélisation 3D du Bureau des recherches géologiques et minières à Orléans. Elle a été sous la direction de Jacques Rivera. Slide suivante. Ça va bien. Ça va bien. Okay. Donc, cette thèse, elle se place dans le contexte et dans le cadre de l'exercice de cartographie géologique structurale. Le but pour un géologue dans un exercice de cartographie, c'est de comprendre les différentes structures qui représentent les interfaces entre les objets géologiques à l'aide de ces observations et de comprendre les grandes structures des paysages. Elle nécessite une compréhension complète 3D des structures et des relations entre elles afin de pouvoir les prolonger dans l'espace. Et classiquement, le rendu géologique de ces études sont des rendus bidimensionnels que sont la carte géologique et les coupes interprétatives. Depuis une trentaine d'années, avec l'émergence des méthodes d'informatique graphique, la modélisation et le rendu de la modélisation se fait en 3D à l'aide des techniques de géomodélisation. Le principe de la géomodélisation, on essaie de représenter le proche sous-sol de manière surfacique ou volumique et de représenter les principaux objets à un niveau de complexité choisi. Ce modèle que l'on appelle géomodèle est une étape en amont d'un très grand nombre d'études dans des domaines à grands enjeux comme l'estimation des ressources, des réservoirs miniers, mais également des réservoirs pétroliers, hydrogéologiques, géothermiques. Ces géomodèles rentrent aussi en compte dans l'étude des risques et des aléas environnementaux, ainsi que des grandes constructions géotechniques ou encore de la remédiation du sous-sol. Donc, comprendre et améliorer ces modèles est un enjeu principal dans les géosciences. Classiquement, Oui. Excuse-moi, c'est Jacques. J'ai un message comme quoi Roberto Bruno, Guillaume et Florian ne sont pas avec nous. Je suis là, Florian. Je suis là. Florian, tu es là. Et Roberto. Là aussi, Guillaume. J'ai coupé ma caméra et mon micro, mais je suis là. Roberto, tu es là. Et Guillaume aussi. Oui, oui. Bon. Faut faire erreur. Excuse-moi, Léon. C'est pas grave, si tout le monde est là, c'est bien. Donc, je disais, pour construire ces géomodèles, il y a deux grandes familles que l'on recense. Le premier type de méthode sont les méthodes que l'on dit explicites. Elles s'intéressent à construire directement les surfaces d'intérêt. Les secondes méthodes sont dites implicites puisqu'elles reposent sur une construction indirecte de ces surfaces. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va calculer et générer un champ scalaire dans l'espace, donc il définit une valeur scalaire partout dans l'espace, ici un champ scalaire en 2D, ici un champ scalaire en 3D. De ces champs scalaires, on va extraire les surfaces d'intérêt. Donc en 2D, nous allons extraire une courbe, en 3D, nous pourrons extraire une surface, pour extraire une isovaleur pour un alpha donné. Ces méthodes implicites, elles sont la base de... Il en existe un certain nombre. Dans notre cas, nous sommes intéressés à la méthode des potentiels, qui est une méthode au sein de l'École des mines. Et je vais présenter ici un premier contexte de l'intérêt de ce qu'on a eu en thèse sur les anisotropies dans la modélisation géologique et en particulier sur la méthode du potentiel. Donc tout d'abord, quelques notations. En considérant un champ scalaire, plus précisément un champ de potentiel, on peut définir une dérivée directionnelle première, ici qu'on notera grand D, dans une direction taux de notre choix, petit taux. On peut également définir le gradient à n'importe quelle surface de ce champ scalaire, qui sera noté par la suite nabla z. Ce gradient est orthogonal à toutes les surfaces. Dans notre cas, dans la méthode du potentiel, qui tient ce nom justement du fait que l'on considère et le potentiel, donc le champ scalaire, et son gradient,
Il s'agit d'une méthode qui a été développée ici au sein de l'École des mines en collaboration avec le BRGM depuis 1997. Et pour construire ce champ scalaire, on a besoin de plusieurs données d'entrée. Ce sont des données mesurées sur le terrain, des données d'affleurement, mais également des données issues de la géophysique avec les cubes sismiques, mais également aussi des données de forage. La particularité de cette interpolation pour construire notre champ scalaire est qu'il s'agit d'une interpolation géostatistique. Il s'agit d'un co-crigage avec des rives. Dans notre travail, on s'est intéressé à un seul champ scalaire, mais il est possible de construire différents champs scalaires et d'affecter des relations entre ces champs scalaires avec des méthodes dites de géométrie de construction solide où on va réaliser des opérations booléennes élémentaires entre ces champs scalaires. Ça nous permet de construire non seulement de définir une pile stratigraphique géologique, mais ensuite de construire des modèles géologiques complets. De plus, on peut aussi prendre en compte des failles à l'aide de fonctions de discontinuité. Donc ça a été implémenté dans un grand nombre de logiciels commercialisés ainsi qu'un certain nombre de packages que j'ai listés ici. Et nous, dans le cas, on va s'intéresser à un seul champ de potentiel, mais c'est de comprendre et d'améliorer certaines problématiques qui concernent ce champ de potentiel. Donc les données d'entrée typiquement que l'on a au sein de la méthode du potentiel. Le premier type de données, c'est ce qu'on appelle les données de contact. Donc, à l'affleurement, on va essayer de trouver les interfaces qui délimitent deux unités géologiques. Ici, on a l'unité 1, l'unité 2. Et donc, on va essayer de trouver un point qui délimitera la surface d'interface entre ces unités. Puisqu'on peut reporter sur la carte un certain nombre de points de contact de certaines surfaces, ici, deux points bleus d'une surface bleue et trois points orange d'une surface orange, qu'on sait que ces points appartiennent à la même interface, donc ils ont la même valeur de potentiel. Ainsi, leur différence de potentiel, que l'on va appeler incrément, est nulle. Ça, c'est le premier type de données. Maintenant qu'on a des informations sur le passage de ces surfaces, on va vouloir orienter ces surfaces. Pour cela, sur le terrain, cela se fait par des mesures qu'on appelle d'azimut et de pendage. Donc, on va vouloir donner des directions du plan. Ici, le plan en pointillé, qui est le plan tangent, pour pouvoir caractériser cette surface. Et à partir de cela, on peut mesurer des lignes sur ce plan, et notamment, on peut mesurer des tangentes, qui sont des dérivées directionnelles premières nulles. On peut mesurer des tangentes. À partir de deux tangentes, on peut définir ce plan tangent. On peut également ajouter une donnée dite de polarité, qui va nous permettre de savoir vers où est orienté ce plan tangent. Ces deux données de tangente plus une donnée de polarité, ça nous permet de définir une normale à ce plan. Et parmi les normales existantes, on peut définir le gradient, qui donne la vraie valeur, qui définit la normale à ce plan qu'on a présenté précédemment. Et parmi les normales, donc parmi le gradient, puisqu'on n'a pas accès à cette vraie valeur de gradient, on va notamment prendre le gradient unitaire, qui est un gradient possible, enfin, qui est une normale possible. L'intérêt de la méthode, c'est qu'on peut mesurer ces valeurs de normale, ces valeurs d'orientation des plans, n'importe où dans l'espace, n'importe où sur le domaine, pas forcément là où on a mesuré des points de contact. L'ensemble de ces deux données, ou trois données si on prend des données de tangente en plus, nous permet d'obtenir, à l'aide d'un estimateur, ici un estimateur géostatistique, on prend le crigage, le meilleur estimateur linéaire non biaisé, à variance minimale. On réalise même un co-crigage, puisque l'on réalise une interpolation, ici une somme linéaire, de ces trois différents types de données, ce qui nous permet d'avoir la valeur crigée, ici Z étoile, et qui nous permet d'avoir la valeur du potentiel partout dans l'espace. De ce potentiel, on peut extraire les surfaces ou les isovaleurs d'intérêt, ici les deux courbes noires. C'est comment la méthode marche actuellement. Il y a certaines spécificités de la méthode. Par exemple, pour construire ces matrices de crigage et de co-crigage, on a besoin de la fonction de covariance, donc ici la fonction de covariance d'une fonction aléatoire. La particularité et la spécificité de la méthode, c'est qu'elle prend en compte des données de potentiel localement, mais également des données des informations sur la dérivée de ce potentiel. Donc, on a besoin de la fonction de covariance entre des données de dérivée de potentiel et le potentiel. Donc, c'est un développement un peu particulier qui demande certaines conditions, qui nécessite certaines conditions sur le modèle de covariance. Il doit être, dans notre cas, deux fois différenciable et avoir un comportement linéaire à l'origine. Tous les modèles de covariance ne respectent pas celui-là, ne respectent pas ces conditions. Celui qui est classiquement implémenté, en tout cas dans le GeoModeler, est le modèle cubique, qui s'est avéré avoir un réalisme, empiriquement, un certain réalisme géologique. Une deuxième particularité de la méthode du potentiel, c'est qu'on se place dans un cas non stationnaire, puisqu'on utilise des fonctions de dérive. C'est-à-dire que notre potentiel Z
est écrit comme la combinaison linéaire d'un résidu qu'on appelle Y, qui représente la partie aléatoire à moyenne nulle, et une partie déterministe M de P qui représente la moyenne du phénomène, et donc le phénomène à grande échelle, ou une tendance générale du phénomène. Classiquement, dans la méthode, on utilise des fonctions polynomiales, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire de fonctions de base. Donc, l'ensemble de tout cela, c'est implémenté dans un certain nombre de logiciels et de packages. Ça s'est avéré très utile pour un bon nombre de modèles et qui ont été réalisés au sein des entreprises ou des centres de recherche. Maintenant, en tout cas au BRGM, on a observé certains modèles particuliers qui ont présenté des problématiques intéressantes, notamment la problématique de l'anisotropie variable, qui va être le sujet de cette thèse, qui a été le sujet de cette thèse. Donc, tout d'abord, l'anisotropie. Le fait que quelque chose soit anisotrope, c'est le fait qu'il dépende de la direction de l'espace. Donc, dans ce cadre, on peut définir un modèle d'anisotropie. Un modèle simple est celui de l'anisotropie géométrique, où on va détecter une direction préférentielle de continuité, que l'on notera selon le grand axe ici, X', ainsi que des paramètres d'échelle. Donc, ici, dans notre cas, en 2D, on va définir cela par une ellipse, définie par trois paramètres. L'angle θ qui va nous donner la direction préférentielle, ainsi que le demi-grand axe A1 et le demi-petit axe A2. Dans le cas 3D, nous, c'est six paramètres qui permettent de définir cette anisotropie, puisqu'il faut définir trois angles de rotation pour définir la direction principale, ainsi que les trois valeurs de l'ellipsoïde, les trois valeurs des petits axes et demi-grand axe et demi-moyen axe. Donc, dans ce cadre, on peut définir une anisotropie constante, c'est-à-dire qu'il est déjà possible actuellement dans le potentiel d'insérer une anisotropie constante au sein de la covariance à partir de la matrice A, qui sera une matrice d'anisotropie constante sur tout le domaine, définie par les paramètres présentés précédemment. Maintenant, les méthodes pour insérer une anisotropie qui varie dans l'espace, qu'on va appeler l'anisotropie variable, elles sont assez nouvelles. Il en existe quelques-unes en géostatistique. Je peux citer les méthodes non euclidiennes, la déformation de l'espace ou les équations aux dérivées partielles stochastiques. Et dans notre cas, on va s'intéresser à introduire cette anisotropie variable au sein de la méthode du potentiel, donc au sein de la modélisation 3D. On va s'intéresser pour cela à un exemple particulier, qui est un exemple emblématique, c'est celui des structures plissées. Un peu de vocabulaire sur les structures plissées pour qu'on soit tous sur la même, sur la même longueur. Donc, si on considère un ensemble d'unités géologiques, ici U1, U2 et les stratifications intermédiaires, si celles-ci subissent une déformation ductile ensemble, on va pouvoir définir, si on s'intéresse à un profil de ce pli, donc à une section transversale, un point qu'on appelle le point de charnière, ici inch en anglais. Et donc, ce point de charnière correspond au point de courbure minimale sur ce profil. Il est particulier, on peut définir le point de charnière, on peut également définir la ligne de charnière qui correspond à l'ensemble de ces points sur la stratification, et ainsi également la zone de charnière pour définir plus globalement cet endroit. On définit ensuite ce qu'on appelle la surface axiale. La surface axiale, c'est la surface, ici dans notre cas, le plan qui passe par l'ensemble des lignes de charnière de toutes les stratifications. On peut également mesurer sur le terrain ce qu'on appelle les axes de pli, qui sont des vecteurs localisés représentant localement la ligne de charnière. Ils peuvent être mesurés un peu partout sur la structure du pli. Ce vocabulaire, il peut être différent selon les auteurs, c'est celui que l'on a choisi de prendre. De plus, on a défini un nouveau plan que l'on a appelé le plan tangent, ici tangent plane en violet. Ce plan est défini comme étant le plan orthogonal à la surface axiale. Et notamment, dans la suite de la thèse, on va s'intéresser à un point appartenant à la ligne de charnière, étant sur ce plan tangent, et on va surtout s'intéresser à deux vecteurs qui appartiennent à ce plan tangent et qui sont dirigés selon la ligne de charnière, ici le vecteur en pointillé, ou orthogonal à cette ligne de charnière, ici le vecteur en trait plein. Une fois cela posé, ici dans les exemples précédents, je vous ai présenté un pli avec une ligne de charnière rectiligne, mais en se plaçant dans la problématique de l'anisotropie variable, on a développé un modèle synthétique qui représente une structure plissée de manière synthétique, où la ligne de charnière, ici la ligne en pointillé noir, varie fortement avec l'espace. La direction de cette ligne de charnière varie fortement avec l'espace. Ici, elle a une forme elliptique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec ce modèle qui n'a pas de réalité physique. Ça reste un modèle mathématique, ça. Mais l'intérêt de ce modèle est qu'on puisse échantillonner partout des valeurs de potentiel. Donc, ça nous donne un outil de travail sur lequel on va pouvoir essayer de reconstruire. Il va avoir une approche de reconstruction
de la méthode du potentiel sur des structures à anisotropie variable. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ce qu'on observe, c'est que si on échantillonne ici cette structure synthétique de manière très peu dense, c'est-à-dire que ici, par exemple, nous avons échantillonné en prenant quatre sphères bleues, ici les quatre sphères bleues, ce sont quatre données de contact et quatre gradients, les quatre flèches noires, donc de manière très peu dense, comme ça peut être le cas selon l'échantillonnage que l'on a. Et ce que l'on observe, c'est que si on veut reconstruire la surface que nous avons présentée précédemment, on observe un effet, je vais vous montrer ici quand on augmente la valeur de la portée, on observe un effet que on va essayer de reconnecter, ici on augmente la valeur de la portée, donc on va augmenter l'influence des données. On observe un effet qu'on appelle un effet de bulle, bubbly effect dans la littérature. On n'arrive jamais du coup à retrouver cette forme qui tourne avec cet axe de pli, cette charnière principale que l'on aimerait avoir et que le géologue a priori comme connaissance sur le domaine. Donc c'est une limite qu'on a observée de la méthode du potentiel sur laquelle on va essayer de travailler. Donc la méthode que l'on a appliquée pour répondre à cela, c'est une méthode principalement qualitative, c'est-à-dire que je vais procéder à un certain nombre de créations de modèles qu'on va comparer qualitativement, cela à l'aide des blocs 3D présentés ici, mais à chaque fois je vais vous présenter une coupe de ce bloc 3D, et ce sera la coupe selon la première diagonale, ici en rouge, où je vais comparer le modèle résultant, la courbe noire, au modèle théorique, c'est-à-dire notre pli synthétique en 3D, ici en rouge. Ce modèle, il a été choisi parce que c'est la synthèse d'un certain nombre de travaux précédents. Il a la caractéristique de bien représenter la problématique de l'anisotropie variable. Et je vais vous présenter des conclusions qui seront des conclusions observées également précédemment. C'est possible de d'utiliser un indicateur quantitatif pour quantifier à quel point on se rapproche de la réalité souhaitée, bien que nous savons que cette réalité n'a pas de sens physique. Ça a été proposé dans une publication qui est à apparaître, que je vais vous présenter par la suite. Dans une première partie dans la thèse, et ce que je ne présenterai pas aujourd'hui, on s'est intéressé à l'influence de l'échantillonnage pour voir à quel point celui-ci pouvait ou non imposer ou poser le problème de l'anisotropie variable. Et également, on s'est intéressé aux paramètres initiaux de la méthode, le modèle de covariance, la dérive, etc., pour voir si on pouvait répondre à cette problématique, déjà pour mieux appréhender ces paramètres et voir si on pouvait répondre à cette problématique, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les deux solutions sur lesquelles nous sommes intéressés. La première, c'est l'idée toujours on regarde la fonction z écrite comme une fonction aléatoire et une dérive. La première est de s'intéresser au modèle Y, et de s'intéresser au modèle stationnaire, et d'essayer de contraindre ce modèle en ajoutant des données locales qui pourront contraindre ce modèle afin d'insérer cette anisotropie variable. Ce travail a fait l'objet d'un article qui est à apparaître dans la revue Mathematical Geoscience en début d'année prochaine. La seconde idée est pour le coup de s'intéresser complètement directement au modèle Z en utilisant une méthode non stationnaire qui est la convolution stochastique. À partir de celle-là, on pourra intégrer un champ d'anisotropie variable complet. Donc, je vous présente d'abord la première méthode. L'idée, c'est d'exploiter des données d'axes de pli. Donc, cela part d'un premier constat qui a été fait. C'est si on se place le long de la ligne de charnière, donc ici, nous avons toujours notre modèle synthétique avec le plan tangent PT, et que l'on observe le vecteur qui est le long de cette charnière, le vecteur V1 ici, nous avons la dérivée directionnelle première qui est nulle. Nous sommes donc bien sur un plan tangent, la tangente est nulle. Mais nous avons également, ça a été une nouvelle observation, la dérivée seconde qui est nulle. Sachant qu'il y a un lien entre la dérivée seconde et la courbure, ici on essaie de transmettre l'information que le gradient est constant le long de la ligne de charnière et cette courbure est nulle le long de la ligne de charnière. La deuxième observation, elle est faite sur le vecteur orthogonal le long de cette ligne de charnière, le vecteur V2, sur lequel la dérivée première est nulle, la tangente est nulle, mais également cette dérivée seconde est maximale. C'est l'observation que l'on fait. Donc, on peut se demander, à partir de cette donnée d'axe de pli, donc ces vecteurs que l'on mesure sur le terrain, comment exploiter au mieux ces informations géométriques par la suite, et ces informations théoriques. Donc là, ça a été d'abord une observation empirique. Ce travail a demandé d'utiliser et de réaliser une démonstration théorique qui est faite au sein de cette thèse, avec certaines hypothèses qui sont faites sur
notamment la ligne de charnière qui appartient à un plan tangent, donc qui est planaire. Et également, sur ce plan tangent, on a besoin qu'il existe et qu'il soit constant localement. Ce sont les hypothèses. Maintenant, également, pour développer donc, ces données de dérivées secondes, puisque maintenant, la nouveauté par rapport à la méthode initiale, ce sont la dérivée seconde au sein de la méthode du potentiel, on a eu besoin de développer la dérivée quatrième de la fonction de covariance. Donc, cette fonction de covariance, malheureusement, le modèle utilisé de covariance, qui était le modèle cubique, ne répond plus aux exigences que nécessite la dérivation quatrième de la covariance. Pour cela, on a introduit un modèle... Je suis désolée pour ça. Pour cela, on a introduit un modèle, le modèle Wendland C4, qui était déjà introduit dans les méthodes parallèles des RBF. Ici en bas, je vous présente une comparaison entre les différents modèles. Donc là, c'est le modèle en vert, le modèle Wendland C4 utilisé et le modèle cubique classiquement utilisé. L'idée, c'est de montrer qu'on ait une certaine similarité entre les deux modèles, ce qui justifie son utilisation. Donc, ces données d'axe de pli, concrètement, comment on les échantillonne sur le terrain? On a recensé trois différentes manières. La première, c'est la méthode idéale, c'est-à-dire qu'on peut mesurer ici les vecteurs DA, DA', directement au niveau des lignes de charnière. Les lignes de charnière, ce sont des zones de fragilité préférentielle qui sont souvent pas conservées à l'affleurement, donc ce sont des données précieuses, mais rares. La seconde manière, ce sont ce qu'on appelle les linéations d'intersection, qui correspondent à donc des mesures locales de vecteurs, de lignes, qui correspondent à l'intersection entre ce qu'on appelle la stratification, ici S0, donc qui sont les couches géologiques, les différentes interfaces géologiques, et une seconde famille de plans, qu'on appelle la schistosité, qui sont le développement qu'on observe fréquemment dans les structures plissées de fractures préférentielles. L'intersection de ces deux types de plans donne une ligne qui sont les linéations d'intersection. Elles nous permettent de mesurer localement la direction de la ligne de l'axe de pli et donc de la charnière. La troisième méthode recensée est les méthodes d'utilisation de projection stéréographique. Donc l'idée est souvent que l'on mesure le long des stratifications des vecteurs normaux, on mesure le pendage de ces couches. En récoltant un certain nombre de vecteurs normaux qu'on appelle les pôles, on peut, à partir des outils de projection stéréographique, obtenir l'axe de pli localement. Dans notre idée, on mesure ces axes de pli partout sur le pli et on les replace au niveau de la charnière afin de mieux contraindre la charnière. L'objectif de ce travail, ça part du constat que ces deux axes de pli sont classiquement toujours mesurés sur les études géologiques. Dans nos observations, très peu utilisées au sein des modélisations. Et l'idée de ce travail, c'est d'exploiter au mieux ces données qui existent et de voir comment géométriquement elles influencent le modèle et voir si on va préconiser de les utiliser davantage dans la modélisation. Le but derrière tout ça, c'est d'éviter un comportement qu'on observe régulièrement dans la modélisation, c'est l'ajout de points factices, qui sont des points de contrôle ajoutés par le géologue pour contraindre le pli dans la direction de la connaissance a priori qu'a le géologue de ce pli. Donc l'idée, c'est de proposer une modélisation parcimonieuse. Donc en regardant cette ligne de charnière, à gauche, nous avons l'exemple du résultat initial que nous avons avec la méthode. Donc on retrouve cet aspect de bulle. Et on va essayer de contraindre cette ligne de charnière avec les données d'axe de pli. Et donc on va réfléchir en disant... Comment contraindre ces données et est-ce qu'il vaut mieux utiliser des données tangentes ou des données de dérivées secondes le long de cette charnière? Donc, ce qu'on observe, c'est qu'entre le modèle de gauche, entre le modèle au milieu et le modèle à droite, on voit que les données de dérivées secondes qui sont nouvelles, qui étaient une nouvelle implémentation, influencent le modèle, elles impactent le modèle, elles le contraignent davantage, mais elles le font moins que la donnée tangente seule. Donc, cette nouvelle implémentation, en quelque sorte, ne montre pas un résultat qui semble particulièrement intéressant. Cependant, on peut se demander aussi, ok, ces données tangentes contraignent suffisamment le modèle à elles seules, est-ce que si on ajoute des données dérivées secondes à ces données tangentes, en ajoutant une information supérieure à la continuité de la fonction, est-ce qu'on va obtenir un meilleur modèle, un modèle mieux contraint? Et ce qu'on observe, c'est que la différence entre les deux est quasi non significative. C'est des présentations sur un seul exemple, mais ça résulte d'un certain nombre d'essais faits au préalable. Et de notre expérience, cela ne favorise pas l'utilisation de dérivées secondes. Une autre question, maintenant, on peut se dire, on choisit d'utiliser les données tangentes.
Combien de données tangentes sont suffisantes pour contraindre le modèle? Donc, on va réfléchir à la quantité de ces données tangentes dans l'idée que si jamais on a une ligne de charnière dessinée par le géologue éventuellement et qu'on veut la discrétiser, à quelle finesse de discrétisation on va choisir? Donc là, à gauche, par exemple, nous avons testé avec 4 données tangentes, ensuite 8 données tangentes et 16 données tangentes. Donc, ça apporte une réflexion, ça montre qu'un minimum de données tangentes est nécessaire, c'est déjà encourageant, et que, évidemment, en raffinant cette quantité, on arrive à contraindre le modèle de manière plus intéressante. Maintenant, une autre hypothèse qui a été faite, c'est réfléchir sur la répartition spatiale de ces données tangentes. Puisque ici, à droite, nous les avons réparties de manière homogène le long de la ligne de charnière, mais on peut se dire que, étant vu la forme que l'on a, au niveau de la zone de virage, qui va être la zone en haut à droite, à l'endroit où la direction de l'anisotropie varie énormément, au niveau de la zone de virage, puisque l'anisotropie varie beaucoup, éventuellement, apporter des informations sur l'anisotropie à cet endroit va permettre de mieux contraindre le modèle. Ce que l'on observe, c'est que ce n'est pas le cas. Ici, en positionnant les 6 données tangentes au niveau de la zone qu'on va appeler zone de virage, on obtient un modèle moins contraint et qui nous intéresse moins. En fait, ce qu'on apporte ici, c'est une idée sur le caractère plat local et du coup qui perturbe le champ potentiel complet. Par contre, ce qu'on observe également, c'est que lorsque l'on place ces données de tangence au niveau des données que l'on avait initialement, c'est-à-dire les données de contact et les données de gradient, on arrive à avoir un modèle qui est encore plus satisfaisant. En fait, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir dire « je donne une information sur l'anisotropie à un endroit où elle est déjà un peu connue et je permets de prolonger les structures ». Maintenant, on peut ajouter un niveau d'interprétation supérieure en ajoutant les données sur le plan tangent, donc c'est-à-dire les vecteurs orthogonaux à la ligne de charnière. À gauche, j'ai 6 données de tangentes réparties le long de la ligne de charnière. Au milieu, donc, j'ajoute 6 données de tangentes orthogonales. On peut comparer du coup ces deux modèles en regardant notamment les coupes en dessous. On voit qu'on contraint davantage le modèle, ce qui est logique, mais également on ajoute ce caractère plat au niveau de la ligne de charnière. C'est intéressant. Maintenant, on peut ajouter des données dérivées secondes le long de la ligne de charnière. Je n'ai pas mis l'exemple ici parce que ce qui se passe, c'est qu'on a les mêmes constats que précédemment. Cette dérivée seconde n'apporte aucune information significative. Par contre, ce qui a été très intéressant et ce qui nous a beaucoup plu, c'est l'ajout de la dérivée de seconde orthogonale, donc ici le long de la charnière. Donc ici, j'ai mis 6 données de tangente le long de la charnière plus 6 données orthogonales, 6 données de dérivée seconde le long de la charnière et 6 données orthogonales. Et ici, on obtient donc le meilleur modèle qu'on ait pu avoir en termes de contraintes et en termes de ressemblance à notre pli synthétique. Maintenant, et je vais peut-être le présenter dans les limites, je vais continuer. Donc voilà, je reprends les conclusions principales. Donc on a vu que même en ayant implémenté cette nouvelle information de données dérivées secondes qui impacte le modèle, celle-ci n'a pas spécialement d'intérêt comparé à la donnée de tangence elle seule. Qu'on peut réfléchir, on peut avoir des informations sur la quantité et la répartition spatiale de ces données de tangence. Et surtout, on a mis en exergue le fait que la donnée de dérivée seconde orthogonale est un point intéressant. Maintenant, et là je le présente maintenant, dans notre exemple synthétique, on a pu avoir la valeur exacte de ces données de dérivée seconde. Ceci dit, sur le terrain, elle n'est pas échantillonnable. Donc, ce qu'on peut proposer, comme pour parer à cela, ce qu'on peut proposer, c'est une inférence de cette donnée de dérivée seconde, soit localement dans l'endroit où les données sont plus nombreuses, ou une paramétrisation automatique par l'utilisateur. Ce que l'on recommande de manière générale, de toute manière, c'est, puisque ces données d'anisotropie existent, on recommande de les utiliser de manière parcimonieuse pour les intégrer au niveau de la modélisation en tant que données d'anisotropie. Et maintenant, en niveau d'interprétation supérieure, il est possible de discrétiser une ligne de charnière interprétée et de l'insérer au sein de la modélisation. Dans les limites, c'est, je peux vous présenter le fait qu'aussi, également, on a fait certaines hypothèses sur ces plans, et notamment le plan tangent. On a fait une hypothèse sur ce plan tangent et sur la torsion de notre ligne de charnière. De plus, on a remarqué qu'il y avait quelque chose d'intéressant à traiter sur la courbure de la surface, qui mériterait du coup un approfondissement en termes de géométrie différentielle. Et enfin, on s'est intéressé aux données d'axe de pli, mais il existe d'autres contrôles géométriques possibles pour les structures plissées et qui sont à étudier plus précisément. Maintenant, la seconde méthode.
on va s'intéresser dans ce second cas, non plus à des données locales, mais à des données d'anisotropie locale, mais à l'intégration d'un champ d'anisotropie global sur l'espace, avec la méthode de la convolution stochastique. Donc la méthode de la convolution stochastique a été introduite par Higdon en 1998, et dans notre cas, on va l'adapter à la méthode du potentiel. Donc l'idée derrière cette méthode, c'est de décrire la variable aléatoire Z comme le produit de convolution de deux éléments principaux. Le premier est un bruit blanc gaussien, ici X, donc qui représente la partie totalement aléatoire, non corrélée, qu'on va convoluer avec un noyau, ici qu'on va appeler phi, défini au point P, donc ici phi de P. Ce noyau varie lentement dans l'espace et est défini pour tout point P. À partir de cela, on peut écrire la fonction de covariance de cette variable aléatoire qui est définie par le produit de convolution entre les deux noyaux du point P et du point Q. Donc la covariance de cette fonction va dépendre des anisotropies des noyaux locaux de chacun de ces points. Dans notre cas, on va utiliser des noyaux de type gaussien, ici phi de P défini ici. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir introduire localement donc l'anisotropie à partir de la matrice A de P. Donc A de P définit l'anisotropie locale au point P. On l'a défini en termes d'anisotropie géométrique, comme présenté précédemment, c'est-à-dire trois paramètres en deux dimensions, six paramètres en trois dimensions. Et on a besoin donc de donner ces fonctions explicites de l'anisotropie partout dans l'espace. Ce développement est nouveau et il nous a demandé de définir la fonction de covariance explicitement, ce qui est possible du fait d'utiliser d'ailleurs des noyaux gaussiens. Et je mets ici la formule où ce que l'on voit, c'est le fait que la covariance dépend bien des noyaux de A au point, des noyaux au point P et au point Q. Et surtout, puisqu'on est dans la méthode du potentiel et qu'on utilise des données de tangence et de gradient, elle demande les développements au premier et au deuxième ordre de la fonction de covariance. Donc, je vais vous présenter quelques résultats que l'on a obtenus à partir de la méthode de la convolution. Donc ici, l'idée, c'est de représenter la forme en rouge, donc ça, qui sera échantillonnée avec les six points de contact rouges et les six gradients, les flèches noires. Et le problème, c'est qu'avec la méthode du potentiel actuel, ce que l'on observe, c'est la forme obtenue en haut à droite. Donc, on n'arrive pas à redonner cette information sur l'anisotropie variable, donc cet arc de cercle qui varie. Donc, ce que l'on peut faire, c'est introduire cette connaissance de l'anisotropie variable via ces fonctions d'anisotropie, donc en définissant une direction principale et des valeurs d'échelle, donc représentées par cette grille d'ellipse qui représente les fonctions introduites. On introduit cela dans la méthode de la convolution et on observe le résultat observé en bas à droite qui nous a permis d'introduire la valeur, la connaissance a priori de l'anisotropie. Donc, ces résultats fonctionnent. Maintenant, on a trouvé un certain nombre de cas où ces résultats ont présenté, cette méthode a présenté des limites. Notamment, si on prend notre exemple synthétique précédent en deux dimensions, donc c'est toujours cette ellipse qui tourne, enfin ce pli qui tourne, et qu'on l'échantillonne au même point que précédemment, c'est-à-dire les quatre points rouges et les quatre gradients noirs, le résultat obtenu est le résultat en haut à droite. On observe encore cet aspect de bulle. On peut introduire la fonction d'anisotropie constante, la fonction d'anisotropie explicite, définie ici avec les ellipses observées en bas à gauche. Et lorsque l'on introduit ça dans la méthode de la convolution, on observe le résultat en bas à droite. Donc, là où il y a une certaine limite, c'est qu'on voit qu'on n'arrive pas à reconnecter les deux parties de cette forme que l'on aimerait reconnecter. Et ce qui s'explique par l'essence même de la méthode où, en fait, localement, tout point est défini par son noyau et donc qui n'arrive à avoir, avec un modèle d'anisotropie géométrique, directement dans une direction. En fait, on peut aller, pour dire les choses comme ça, tout droit. Et donc, on n'arrivera pas à reconnecter ces zones. Donc, en fait, cette méthode, c'est ici qu'on va obtenir certaines limites, chose que l'on n'a pas observée précédemment, puisque au niveau des endroits où l'on aurait voulu reconnecter, en allant tout droit, on arrive à rejoindre les données, pour dire les choses de telle manière. La même limite a été observée en trois dimensions. C'est pour montrer que la méthode est opérationnelle en trois dimensions, mais que de toute manière, si nous n'arrivons pas à régler le problème en deux dimensions, nous n'y arriverons pas en trois dimensions. Et par contre, on peut réfléchir sur l'interpolation de l'inférence de ce champ d'anisotropie, puisque précédemment, on l'a introduit explicitement, on a donné les fonctions d'anisotropie, mais il est aussi possible d'utiliser des méthodes d'interpolation. Ici, nous avons les données de direction rouge qui représentent les données échantillonnées, et nous pouvons utiliser des méthodes d'interpolation. Ici, nous avons utilisé le crisage complexe, introduit par Christian Lajoni en 1991, et à partir de cela, obtenir le champ d'ellipse bleue qui représentera l'anisotropie que l'on veut introduire.
Nous l'introduisons dans le modèle précédent et nous avons le résultat suivant avec la convolution stochastique. Ce que l'on observe, c'est que le résultat est intéressant, est meilleur que précédemment, et surtout que cette convolution est assez sensible au final au champ d'anisotropie que l'on va introduire, puisque le résultat est différent de ce qu'on a eu précédemment. Par comparaison, on peut regarder ce que l'on obtient en introduisant des données tangentes. Ici, ce sont les directions vertes. Et voir que, en fait, avec la convolution, ce qui est intéressant, c'est certes, on introduit une connaissance a priori très forte, c'est-à-dire le champ d'anisotropie globale, mais en termes de données insérées, on introduit simplement cela, tandis qu'avec les données tangentes, on introduit ici 12 points supplémentaires. Et le résultat est moins bon. C'est une comparaison possible, mais en deux dimensions. La dernière idée proposée, c'était le principe de interpoler ce champ d'anisotropie à partir d'un premier champ de potentiel calculé précédemment. Donc l'idée, c'est qu'en ayant un champ de potentiel, ici les isovaleurs, on peut calculer en tout point le gradient de ce champ de potentiel et qu'il existe un lien entre l'anisotropie locale, l'ellipse ici présente, et le gradient. La direction principale va être orthogonale au gradient et l'intensité de l'anisotropie va être dépendante de la valeur de ce gradient. L'idée, en fait, c'est que derrière un premier champ de potentiel, on capte les grandes tendances, qu'on capte l'anisotropie et qu'on l'introduise dans un deuxième champ de potentiel sur lequel qu'on va contraindre avec les données. Donc ici, le premier champ de potentiel utilisé, donc nous avons toujours 4 données de contact, 4 données de gradient, le résultat proposé. Et donc, on introduit du coup l'anisotropie extraite de ce champ de potentiel dans un second exemple avec la méthode de la convolution stochastique. Ces résultats ont été faits très récemment, donc on observe ici un peu une structure en escalier, un peu bruitée, qui peut s'expliquer par le fait que j'ai utilisé des données de gradient numérique, que j'ai calculées numériquement, et qui peut introduire des instabilités. Donc, c'est une piste à vérifier par la suite. Donc, en conclusion de cette méthode, j'ai montré dans un premier temps qu'on pouvait introduire la méthode de la convolution stochastique au sein de la méthode du potentiel, qu'elle était opérationnelle en 2D et en 3D pour l'interpolation de surface. Elle ouvre une discussion intéressante sur l'inférence de ces données d'anisotropie et sur l'interpolation de ces données d'anisotropie. Et surtout, ce qui nous a paru prometteur, c'est l'utilisation du crigeage complexe, puisqu'il interpole intuitivement, en tout cas dans l'idée intuitive qu'on pourrait avoir le géologue de l'anisotropie variable, les données de direction. Et de plus, il y a une information supplémentaire par rapport aux méthodes classiques d'interpolation de direction, c'est qu'on interpole la norme de ces vecteurs, chose qui n'a pas été exploitée du tout dans ce travail, mais qui pourrait l'être, puisque c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Dans les travaux à venir, pour l'instant, les ellipses que je vous ai proposées, enfin les champs d'ellipses que j'ai proposés, on a réglé les tailles de ces ellipses de manière très empirique. J'ai à chaque fois joué avec les paramètres pour avoir le meilleur modèle possible. Donc, il y aurait peut-être un approfondissement à faire sur ces tailles d'ellipses. Dans la littérature, il n'y a pas spécifiquement d'indication sur cela, donc c'est un travail théorique peut-être à réaliser. J'ai proposé une interpolation de vecteurs en 2D. Vous pourrez voir comment interpoler ces vecteurs en 3D, notamment avec l'utilisation de quaternions. Et enfin, les méthodes de convolution ont présenté quand même des limites au niveau de performance, c'est-à-dire que pour ces interpolations avec la méthode de la convolution, j'étais dans des ordres de grandeur d'un temps 10 fois supérieur à la méthode du potentiel actuel. Donc, cependant, on a plein d'axes d'amélioration possibles puisque c'est un code expérimental, notamment paralléliser et utiliser le GPU. En conclusion, je vais faire une conclusion très globale puisque je vais vous représenter en haut le modèle que l'on aimerait réaliser, ce modèle synthétique sur lequel on a joué. Le résultat en bas à gauche du résultat initial que l'on a avec la méthode du potentiel, quels que soient les paramètres que l'on utilise. En tout cas, il y a une partie dans la thèse qui présente toutes l'utilisation de ces paramètres, mais voici le problème principal. Et les solutions proposées dans cette thèse, donc l'utilisation d'anisotropie, de contraintes locales d'anisotropie, et la réflexion de l'exploitation, de la meilleure exploitation possible des données d'axes de pli. Et en bas à droite, l'utilisation de la méthode de la convolution stochastique adaptée à l'interpolation de surface. Dans les travaux futurs et possibles, il y a bien sûr l'utilisation, ici nous sommes sur des modèles synthétiques expérimentaux, ce sont des prototypes, il pourrait être intéressant de l'implémenter dans des logiciels industriels ou au moins des packages avérés, et de réaliser ce qui avait été commencé dans la thèse mais non terminé, l'étude de cas réels. Donc, on a plusieurs jeux de données au BRGM qui présentent cette problématique, qui serait intéressant sur lesquelles on pourrait tester l'ensemble de ces deux méthodes.
Maintenant, dans les approches pour prendre en compte les isotropes variables, ici, je me suis mis des contraintes dès le début d'utiliser mes données et de contrôler moi-même et d'importer des nouvelles données de manière parcimonieuse. Mais justement, dans l'idée d'apporter de ces nouvelles données, on pourrait réfléchir à différentes données qui existent sur les axes de pli et les prendre en compte encore plus dans la modélisation. Un autre exemple, et là, c'est l'avantage d'avoir utilisé une méthode d'interpolation implicite géostatistique, c'est de pouvoir réaliser des simulations sur ce champ de potentiel. Et notamment, l'intérêt de réaliser des simulations, c'est de réfléchir à la compatibilité du modèle que l'on utilise avec celui que l'on cherche à retrouver, c'est-à-dire cette ellipse, ce pli elliptique. On peut réfléchir si le modèle du potentiel est capable peut-être d'être compatible avec ce que l'on cherche. Maintenant, les autres approches qui sont possibles, c'est également de se dire, parmi les méthodes non stationnaires, on a vu la limite de la convolution stochastique, mais il en existe d'autres. Les méthodes non euclidiennes, les méthodes de déformation de l'espace, mais également les équations dérivées partielles stochastiques qui ont été remises au bout du jour, notamment dans l'équipe géostatistique, et qui, dans des études de collègues en parallèle, ont montré pouvoir prendre en compte ce que, m'a posé problème, c'est-à-dire ces ruptures de pente, ces zones de charnière dans lesquelles on n'arrive pas à introduire les informations d'anisotropie, les équations dérivées partielles semblent prometteuses dans ce cadre et mériteraient d'être appliquées au cas du potentiel. Et enfin, mais là on s'approche dans une approche qui ressemblerait plus à des approches explicites, on a dans la méthode du potentiel la fonction de dérive qui représente le paramètre déterministe et qui représente la fonction déterministe. On pourrait imaginer, puisque ce que l'on a comme objet, c'est cette ligne de charnière qui parfois est interprétée complètement par le géologue, on pourrait imaginer intégrer cette ligne de charnière de manière déterministe via les fonctions de dérive et donc se baser sur des méthodes de modélisation implicite qui existent déjà, méthodes dites basées squelette, où on peut calculer une distance à ce squelette et donc retracer notre axe de pli et notre structure plissée entièrement à partir de cela. Maintenant, ça ouvre des perspectives différentes qui n'étaient pas les mêmes que les contraintes que je me suis posées au départ de cette thèse. Je vous laisse avec cette citation de Matron pour discuter du modèle que l'on cherche à obtenir et à ce qu'on poursuit. Merci beaucoup. Je suis prête pour vos questions. Merci pour cette présentation. Je vais maintenant donner la parole au rapporteur. Donc, je propose que chaque rapporteur vous parle dans la langue française ou anglaise dans laquelle il est le plus à l'aise et vous pourrez lui répondre dans la langue dans laquelle il vous pose la question. Donc, je donne d'abord la parole à Roberto Bruno, qui est professeur associé à l'Université de Bologne. Bonjour. Bonjour. Merci bien alors pour sa présentation, très intéressant. J'ai étudié le travail, j'ai bien aimé les sujets, la façon comment on peut l'étudier. Si je peux faire des commentaires très simples, je suis très intéressé sur le développement mathématique. Mais quand même, il y a une partie de mon expérience qui s'est plutôt orientée sur la façon pratique d'implémentation des méthodes. Alors, une première question que j'aimerais commenter, c'est sur l'implémentation pratique des méthodes. Ça veut dire, normalement, lorsqu'on fait une étude, je stats, la partie de l'analyse structurale, c'est une phase importante. Et très importante, même parce qu'il y a toujours le problème de la quantité de données. Alors, dans ce cas-là, nous avons des levées sur les champs. Je ne sais pas. Effectivement, si on peut considérer que c'est quelque chose d'économique et il y a plusieurs des données, peut-être oui, ça dépend de la situation, bien sûr. On peut utiliser, exploiter même des informations de télédétection, je ne sais pas. Mais quand même, il y a le problème des différences des modèles de co-régionalisation, dérivés, premiers, secondes, différentes directions. Qu'est-ce que le candidat pense sur ces sujets,
sur l'implémentation pratique des méthodes typiquement géostatisticiennes comme qui ont besoin d'une analyse structurale satisfaisante. Alors dans ce cas-là, nous avons vu tout le travail très intéressant, très précieux sur les données simulation. Mais dans l'implémentation pratique, quelle est votre idée sur la faisabilité de ces différentes méthodes? Alors, pour couper ton micro à cause des échos. Qui ça, moi? Oui. D'accord. Pour répondre, il y a plusieurs choses sur la partie inférence des données et calage du variogramme. Il y a toute une partie qui a été réalisée au préalable par une thèse qui a été de 2004 avant moi, de Christophe Haug, où il y a toute une partie sur la réflexion sur le calage du variogramme et l'inférence de données qui est faite sur les données de gradient. Ça, c'est la première partie, si j'ai bien compris la question. Et la seconde partie, c'est sur la faisabilité. Les deux méthodes, elles sont très différentes là-dessus. La première méthode, c'est en termes d'implémentation pratique, c'est au final juste des conseils dans la modélisation du géologue et l'utilisation des données d'axes de pli. Il y a des données qui sont déjà présentes et qu'on va pouvoir implémenter, rajouter facilement. Et c'était peut-être plus des astuces et des guidelines, des méthodes de travail pour le géologue plutôt que vraiment un développement nouveau. Par contre, l'idée de la dérivée seconde orthogonale, en termes d'implémentation pratique, il y a des choses qui me sont venues à l'esprit ensuite dans comment on pourrait implémenter ça. C'est-à-dire, on pourrait réfléchir toujours dans l'idée de s'adapter à l'utilisateur, utiliser un réglage automatique paramétrisé manuellement pour régler la courbure locale du pli et pouvoir régler la structure. Maintenant, sur la méthode de la convolution, en termes de faisabilité, bon, ça reste sur mon cas prototype, mais je pense que c'est une grosse machine pour le rendu final. C'est pour ça que j'ai mis la citation à la fin, c'est au final, qu'est-ce que l'on veut? Certes, on veut introduire une anisotropie qui varie, on veut aider le géologue à pouvoir insérer sa connaissance a priori de manière parcimonieuse. Maintenant, est-ce que donner la définition globale de l'anisotropie partout dans l'espace, c'est la meilleure manière? J'en suis pas sûre et donc je ne pense pas que je le recommanderais. Après, en termes de théorie, c'est globalement très intéressant et c'était intéressant de le faire, mais je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si je peux continuer avec d'autres questions ou c'est mieux discuter avec l'autre rapporteur. Vous pouvez continuer avec un peu plus de questions. En fait, je vais donner, comme on est un nom, vous êtes un jury très nombreux, chaque personne parlera tour à tour. Donc, si vous avez une troisième question ou même quatre questions, n'hésitez pas. Parfait. Une autre question, j'ai deux autres questions. La première, c'est la partie probabiliste, disons, de la méthode. Une considération très simple. Je n'ai jamais vu parler dans la thèse des variances d'estimation. Alors, qu'est-ce qui se passe, disons, dans cette partie probabiliste? Est-ce que, comme vous disiez, c'est quelque chose qui est là? On peut développer la partie déterministe de la dérive, etc. Mais quand même, dans ce travail, j'aimerais savoir quelle est l'utilisation, quelle est l'interprétation probabiliste, qui normalement est très intéressant pour nous lorsqu'il y a affaire avec quelque chose qu'on ne connaît pas et donc qui doit être estimé. Et j'avance tout de suite avec la deuxième question qui s'est liée, et c'est comment peut-on
vérifier qu'une choix ou l'autre, ça fonctionne. Donc, dans ce cas-là, nous avons la comparaison avec la simulation, le modèle qui est connu partout. Mais normalement, il n'y a pas la connaissance de la réalité. Donc, nous avons des pratiques comme la comparaison entre les erreurs avec un test screening, avec des simples méthodes pour voir si les prévisions du modèle matchent avec des résultats pratiques. Donc, s'il y a une bonne représentation des résultats espérés avec les résultats observés. Et là, ça intervient la partie probabiliste. Alors, dans l'article qui est proposé, on a utilisé un indicateur quantitatif pour voir à quel point on était proche ou non de la réalité. Donc, on mesure une distance entre ces surfaces. Maintenant, vu que cette réalité que l'on propose, on sait que c'est un modèle synthétique qui ne représente rien de physique et qui n'est pas une réalité, ça n'a pas trop de sens. Enfin, on est assez critique sur notre propre indicateur. Par contre, là où on pourrait utiliser des méthodes probabilistes, c'est peut-être, et ce qui n'a pas été fait, mais on pourrait regarder au niveau de nos données et utiliser, par exemple, des méthodes de validation croisées pour voir ce que l'on a au niveau de nos données. Ça, c'est quelque chose auquel on a pensé un peu tardivement, mais qui serait intéressant à faire avec ce qu'on a fait. Maintenant, dans les autres utilisations de la méthode probabiliste, c'est là les simulations que je proposais, qui a été faite dans une thèse précédente. Donc ça peut être un des intérêts. Et c'est vrai qu'on a la variance de Krujage qui est un des intérêts du fait d'utiliser la méthode du potentiel en comparaison des autres méthodes, qui n'a pas trop été exploitée. Après, c'est vrai que j'ai utilisé le potentiel comme un outil d'interpolation géométrique, et il y a eu quand même une réflexion au début de la thèse sur les modèles de covariance possibles, sur les portées utilisées, sur l'utilisation des modèles de dérive, qui était un peu la partie préalable. Une fois qu'on avait choisi cela, on a continué sur le reste de l'interpolation. Mais ça ouvre plein de... Enfin, en tout cas, pour les simulations, ça réfléchit sur le modèle probabiliste. Après, Merci beaucoup. Merci. Si vous avez fini, Roberto. Oui, j'ai terminé. Je vais maintenant donner la parole au second rapporteur, Guillaume Comon, professeur à l'Université de Lorraine. Merci, Madame la Présidente. Déjà, je voulais remercier tes encadrants et toi de m'avoir invité à ce jury. Ça fait plaisir de voir le chemin parcouru depuis que tu as eu ton diplôme de master dans mon équipe. J'ai bien apprécié. I should switch to English because I know for Eric it is really late at night, so I will try to give him a little bit of oxygen, trying to speak in his native language. So I appreciated reading your manuscript, which I found very clear, and I much appreciated all the mathematical developments, which I find highly non-trivial. So congrats for that, and congrats also for a very clear presentation. On the main downside, one of my regrets with your work is that you state very clearly your premise and the objective of your thesis, but it looks like you're a little bit too much within the potential field method, and somehow some of the references that you mentioned on this last slide, I think would have been probably more useful to consider a bit earlier. To bring insight about your work, about anisotropy, even though these methods start from different premises and use different types of reasoning. One of the interesting things I'd like to start with is that when you think about the energy minimization approaches, which try to address the exact same problem,
Matron himself has shown the equivalence between spline interpolation and kriging in some cases early in the 80s. And so I guess, even though this has not been done for this particular case, we could also find quite a number of relationships between this dual kriging formulation and radial basis function and energy minimization. And the work by Julien Renaudot, I think, was quite interesting to that respect, even though it is not a formal proof of equivalence. And when I think about this, I see that in the energy minimization, you always have a fight between the curvature energy or the regularization term that you use to say how your model will look away from the data, and then the fight for the data term. And so to that respect, if you think along these lines, I'm not sure we should be surprised that adding the second derivatives on the hinge of the folds should add something, because it's already there in some respect. It's curvature minimization. So if you don't have any data anyway, the interpolation will try to minimize the curvature, but I'm not sure. So my first question is, would you agree with that? We don't hear you. We still don't hear you. Your mic is off. Your mic is still off. Laure, I don't hear you. J'arrive. Ah, okay. Et ce micro-là, c'est bon ? Là, c'est bon, oui. Là, c'est bon ? Oui. Bizarre. Bon. En fait, c'est ce qu'on voulait montrer, enfin, c'est ce que j'ai fini par comprendre peut-être un peu tard, c'est en fait, quand je me suis rendu compte que la dérivée seconde orthogonale apportait une information, je me suis dit, mais en fait, ce avec quoi on veut jouer, c'est la courbure locale au niveau de cet axe de pli qui va contre la méthode d'interpolation qu'on utilise et qui essaie de minimiser cette courbure intrinsèquement à la méthode. Mm-hmm. Maintenant, enfin voilà, on va ajouter une singularité localement et bah, on veut aller un peu contre le crigeage en quelque sorte. Donc c'est la réflexion qui se fait derrière. Après, pour le coup, en intégrant des méthodes de ce qu'a fait Julien Renaudot, en réfléchissant sur l'énergie, faudrait voir comment on peut prendre en compte ce potentiel comme une fonction d'énergie et puis essayer de résoudre ça localement. Ça n'allait pas avec les contraintes qu'on s'était données à la base. C'était pas l'idée de. Mais c'est ce que ça ouvre au final quand, avec les observations qu'on a faites. Mm-hmm. Je suis d'accord là-dessus. Okay. Merci. One of the other aspect I was really interested in your work is the direction interpolation. So I didn't know the complex kriging method, which I find really interesting and promising. I fully agree with you on that respect. But I have doubts as well, because on slide 35 you mentioned that it's really good because it takes into account the norm. So not just the direction like what was proposed by Charles Gumiot in his tectonophysics paper. So this is also accounting for the norm. And so could you elaborate on what you mean when you say, well, it's interesting to take into account the norm. Why would it be interesting to take the norm into account as compared to just considering the orientation, given the gradient bias that you mentioned at some places in your manuscript in particular? Ton micro est toujours coupé, Laure. Le micro, hein, parce que sinon, il y a trop d'écho quand les gens parlent, ton jury. Je pense qu'il faut que tu... On m'entend là ? Oui, c'est bon.
Ah, yes. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs choses qui semblent intéressantes là-dedans. Le premier, c'est que ça donne un sens physique. En fait, parce qu'à la base, le fléchage complexe, il avait été utilisé pour les écoulements de fluide, pour pouvoir interpoler les directions des écoulements de fluide. Donc, notamment, quand j'ai fait des formes un peu tourbillons, on se retrouve avec donc des normes qui sont plus petites et au centre, voire nulles. Donc, en fait, on sent que derrière, il y a un sens physique. Et ça peut être intéressant à intégrer dans la modélisation. Et notamment, par exemple, si on a une forme complètement circulaire, on a au centre donc quelque chose d'isotrope. Et on récupérait, en fait, à certains endroits, le fait que ce soit isotrope ou de plus en plus anisotrope selon, selon la taille de ce vecteur. Donc, en fait, on pourrait retracer ça en termes d'intensité d'anisotropie. Donc ça, par exemple, sur nos structures plissées, au niveau où ça tourne, on peut imaginer que les résultats qu'on a eus en interpolant la direction de l'ellipse, au niveau de la zone que j'ai appelée la zone de virage, l'endroit où ça tourne vraiment beaucoup, on se retrouve avec une norme plus petite. Donc peut-être, par exemple, ça pourrait me donner une idée sur l'inférence de la valeur de la dérivée seconde ou éventuellement du gradient à cet endroit-là. En fait, je pense que le fléchage complexe, il arrive à trouver, je dis ça comme si, voilà, mais il arrive à comprendre le sens physique des choses et du coup à donner l'interprétation qui serait peut-être géologique et qu'on a de l'événement, en fait. Je vois comme ça. Ok. Ok, merci. Voilà. Merci. I guess this gets back to what we mean by anisotropy. So I really like that part where you describe the various types of anisotropy and the review. My own work on this tells me that somehow the anisotropy is a kind of intermingled between the drift, which you mentioned at the end, between what kind of drift do you use in the potential field method, and between the anisotropy of the residual. So you're in your work, you worked on the anisotropy of the residual, on the geometric anisotropy of the residual, which is, I guess, okay with once you have a fixed drift, right? In a sense, I think this also gets back to Roberto's question about the inference. I think this is what makes the inference difficult, is that for the inference you would need to know the trend, but the trend is the solution of modeling, and so this is what it's a catch-22 problem where this is where Jeff Waver proposed some iterative method to try to use that. So what do you think? I mean, what do you think about this? I mean, do you think the iterative method for inference would be a possible way out for this problem, or do you think it's a lost case, or do you think it's or do you have some other ideas? Okay, j'ai pas très bien entendu l'inférence d'un champ de potentiel comme je l'ai présenté. De la fonction de covariance. Comment tu fais l'équivalence qu'on fait en géostat, qui est calculer le variogramme empirique et après l'utiliser dans ton modèle, sachant que tu connais, c'est le variogramme du résidu que tu cherches, et donc il faudrait calculer le résidu pour trouver le variogramme. Bon, on a un problème quand on se retrouve avec le modèle non stationnaire de convolution. Avec ça en plus, ouais. Ouais. Et dans le cas de la dérivée seconde, c'est ça, dans le premier exemple dans tous les cas, en général, en fait. Comment tu fais pour, comment on peut séparer l'anisotropie du résidu et l'anisotropie de la tendance, du modèle de tendance? Alors, ce qu'on peut faire. Bon, l'idée, c'est quand même, soit on arrive à l'écrire en fonction de dérive et on extrait cette anisotropie et on cale le variogramme sur le modèle résiduel. Mais ça, c'est dans l'idée qu'on arrive à avoir cette grande tendance. Ça se fait quand même pour un grand nombre de cas où l'anisotropie est globale. Je pense que, après, dans les cas comme se présente, un peu, il y a peut-être moyen de les prendre de manière périodique en prenant des tendances sinusoïdales, etc. Au final, c'est
pour les structures plissées, ça se justifie totalement, je pense. Après, pour les cas encore plus complexes, pour prendre en compte l'anisotropie, je pense que on peut voir. Il faut que j'y réfléchisse, voir ce qui est. J'ai pas de solution, hein, si ça peut te rassurer. Moi non plus, mais je pense que c'est aussi tout le défi derrière ça. C'est aussi pour ça qu'à la limite, on peut se dire qu'on introduit la connaissance a priori et qu'on on la prend pour. On la cale pas, on la prend pour acquis. Et okay, merci. I just have one last question. About geological realism. You mentioned that at some point, but you don't formally define it. And so in some instances, you comment your result and you say, well, this looks better than that. You mentioned cross-validation and so on, but there's one point which I like, where at some point you mentioned developability of surfaces. And so and mentioned that developability could be a criterion, I guess. That's what you mean. So could you elaborate about that? Okay. There's been some work done in that area by Boris Thibert, Jean-Pierre Gratier, Jean-Marie Morvan. Do you think your method and the potential field could be a way, and what would be the thing to develop to integrate developability as an interpolation criterion? Ok, j'espère que j'ai utilisé le mot développable de la même manière que c'est écrit dans ces articles, dans le sens où nous, là, le modèle synthétique qu'on propose, c'est pas possible d'imaginer le développer, l'utiliser comme une feuille et pouvoir la mettre à plat, c'est physiquement pas possible, donc c'était dans ce sens-là. Et donc de toute manière, ce qu'on veut reproduire n'est quelque chose de pas existant en termes de réalisme. Après, pour le réalisme, j'ai deux critères de sélection. Le premier, c'est les retours, les feedbacks des géologues avec qui je travaille, qui est aussi ma garantie de réalisme. Et après, on peut en tout cas dans la modélisation 3D, on peut se référer à notamment un article sur les règles de réalisme, c'est-à-dire c'est des règles toutes simples d'intersection et de recoupement. Je ne sais pas si vous vouliez parler du réalisme en général ou de juste mes exemples. Les règles d'intersection et de regroupement dans les méthodes implicites, j'allais dire, elles sont honorées par défaut. Donc, mon papier, il n'apporte rien pour ce problème-là, ce papier-là. Par contre, on a la thèse, ça a été fait au préalable par la thèse de Christophe Haug, où on regarde les différents modèles de covariance, et c'est fait de manière empirique, où avec l'observation, on se rend compte des modèles qui proposent un réalisme géologique. Et moi, je suis allée dans la même manière en comparant le modèle que j'ai introduit, Venland 7.4, en regardant les surfaces obtenues et en regardant si c'était, à notre point de vue, réaliste dans le sens... On a des surfaces lisses qui respectent. Ok, donc c'est un critère assez qualitatif, visuel, laissé à l'appréciation des experts en substance. Oui. Okay. et le machine learning dont parle tout le monde, ça ne serait pas une piste intéressante? Ce qu'on pourrait proposer avec ça, c'est de prendre un certain nombre de modèles ou alors peut-être prendre un certain nombre de coupes dessinées par les géologues et puis. En faire une base de données et puis on considère que ça c'est réaliste, ça c'est pas réaliste et on classifie et puis on en déduit un modèle réaliste en termes d'interpolation de surface. Au final, on serait basé sur du dessin, ce que le géologue dessine bien. Pourquoi pas, hein, c'est okay, la coupe réaliste. Merci Laure. I would have plenty of other questions on uncertainties, but I'm sure Florian will have questions on uncertainties. So I will stop there. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, Guillaume. I will now ask Eric De Camp, who is associate professor at the University of Ottawa, to ask his questions. Eric, are you ready? Yeah, great. Yeah, thank you, Laure, for a great presentation and a great thesis as well. I really enjoyed reading it, even though my French is not very good in reading,
but I used Google Translate quite extensively, so that helps a little bit. I think there's been a number of good works and good theses that I've been involved in where it's basically people taking this deep dive in the chasm, which is very dangerous between applied mathematics and natural systems modeling, and in particular earth sciences. So it's not easy to merge these two worlds. And what I like about your thesis is that you really try to merge these both together, and you do it in a very elaborate and detailed way, especially with the mathematical side, which I can only touch a little bit because it's a little bit out of my domain. But from what I do know, I think you've done a pretty elaborate and good job. And I have some questions about the mathematics, despite my limited capacity, and I'll get to that later. But from myself, being more of a structural geologist, I think anisotropy is pretty fundamental to what we want to do. It's core to what we do in interpreting geology at many different scales. And from a modeling perspective, we've been waiting for some time now, and perhaps, if I'm not sure if Gabrielle Carew is listening here, but we've had discussions about this for many years, and he's really been lobbying hard and championing this initiative. So anything that you can bring to the table to help us to better take care of it, it adds an essential constraint to where we want to go forward with. So what I would like maybe is just to examine a little bit on the side of sort of the traditional side of geology and see how you see this going forward. Like from my perspective, being part of a geological survey and others at the BRGM, I am sure too, we would like to be able to take what you've done and perhaps in the future, the trajectories of what you have done once they get crystallized to be able to put this in some kind of a workflow where we can utilize the data that we already have and any new data that we get, we want to be able to take care of that data in a good way so that the mathematics that you are giving us can be used properly. So I'm just wondering if you want to comment on that side, how you see this going forward from a geologic survey perspective. How should we optimize our methods to better take into account these new methods that you bring? Okay, I'm not very aware of what you're really using in geological survey. I think you're using Surfy, what I mentioned before, but from commercial software, I'm not very aware. But I think, for example, tangent constraints, it's already implemented, so you will have no problem to use it, I think so. But it depends on the geological maps you have and on what data you used to, because this behavior not to implement tangent data has been observed here in the French Geological Survey, but I don't know, maybe you're doing better or no. But I was very inspired by your paper from 2014, because you used also tangent data at this time, and you implemented it along the hinge line. I think one benefit from our perspective is that you don't have to draw this hinge line, and maybe you can interpolate it with complex grading. But I think this is what you were doing with quaternions before. So maybe it's just a difference between implementation between complex grading and quaternions. But this is for the tangent part, for fold axis data. And for convolution, you're using the scalar feed also. So I think there will be no problem to implement it in your software also. So
I guess, Laure, from a practical point of view for the surveys, they have data in the form of maps and cross sections and point data that has been collected with strikes and dips that can be easily converted to normals, direction normals. These data, I guess what I'm asking is, what would you highlight the most? Because you have, I forget what the diagram is, you have several means of getting at the hinge geometry. You could have intersections of cleavage, which is non-polar, planar data, and horizons, which are polar or directional planar data. The intersections of those give you a proxy for hinge direction, at least the vector field that would describe that hinge. And maybe there's others that we could also draw from, stretching lineations, things like that. I think it would be nice, like just in the, as you go forward to probably publish some of this stuff, it would be nice to highlight what types of field-based features we can extract, and perhaps we can work on developing tools to better package them so that they could feed directly into your processes. I agree. In this work, we cite three kinds of this fold axis data, but you mentioned other, and ideally you would have to use all of them. I totally agree, but to better taking better advantage of all this data is a further work, because I think it's important to see how it's practicing every day at the survey. I think it's what could help you to know what is unused in practice and what could mm-hmm. be exploited better. Yeah, and another part that we're starting to investigate is looking at eigenvector analysis from map data. Some of the work that's been done by Woodcock and also Richard Lyle on shape parameter extraction from surfaces. Maybe these types of information we can derive at least locally and provide as feeds to the process as well. But we can talk about that later as you go forward with the papers. I have some references that might be useful there. I have some issues with some of the figures. I think maybe if I have time, I can go through it, or we can leave it till later. That's perhaps the convener can tell us whether there's time is running out or not. But I found it hard to look in chapter two. You have a couple of dip informations that are I'm not sure if there's a problem with them or not. But at least the way the arrows go are pointing opposite to the top direction of the surface. So I thought maybe that's something to work, to look at. I can, do I have time to show this? You can. Yeah, okay. I'll just, what I'll do briefly then is share my screen. But maybe somebody has to allow me to do that. Okay, I try to. Yeah. And so are you seeing my screen now? No. I see the big, it's wrong. Let me just try to see. Dans sécurité, Laure, il faudrait autoriser les autres participants à partager leur écran. C'est déjà le cas, en fait. Okay. C'est bon. OK. OK. Oh. Vous regardez the page? Oui. OK, super. So here, this is the test target data set, which is good. I have concerns about this. Now we can always expand more and have more target data to validate. But this is the dot. This is the part here in this figure. So what I was hoping is that we can get a better cross section view through here, because I think if you did it the other way. If you had a cross section going diagonally the other way, or at least coming down from sort of north south in this manner, you're going to get an idea of what's happening on both limbs of this fold. The way you have this section, it's kind of hard to see. We only get one limb. So these two dip informations here, you see how they're pointing upwards, yet it's on the bottom of the surface.
So this, the way I see this blue surface is the darker part is actually the base and the lighter part is the top. Is that correct? Yes. The darker part is behind. Yeah. But just topologically, I would understand that as pointing downwards. That would be the base of the structure. Yes, if you are inside. Yeah, so but the arrows are pointing away from that bottom, which would be pointing down, even though Cartesian wise they're pointing up. So the polarity on these two dip measurements, I think, is wrong, or at least you might want to check inside, and maybe just the visualizer is forcing it to go up. But could that be part of the problem, that this fold flap is not interpolating properly? No, I don't think so. I think it's correct to have exterior gradient, because I'm not sure we are seeing the same thing, because the darker part, when you have the surface, it's going down up there. Yeah, but the gradients, are they pointing top to the towards us, or top away from us? Like it doesn't look right. Like it's okay, but if you are around a line of this fault and you are on the gradient stopping. For exterior thing, if you are in front of me here, yes, and you are continuing, sure, and you are going there, you are on the same plane, so on the same surface, which is I agree. It should be on the same surface. It's just a question of polarity, that these four points here represent an anti-formal pattern, right? However, like this, the polarity on this is completely opposite to the surface that has been developed. That which I don't think should at least match the polarity locally. The algorithm should be able to do that, even using the classical one, unless the data has been reversed. But anyway, it's something we can discuss later. I don't want to take up too much time doing that. Yes, I think we don't. Yeah. Yeah, and also here on this other section, you can see it would be better to have a diagonal going the other way, and then we'll be able to properly represent both. This is why we developed the volumic indicator in the paper I sent you, because here we have one cross section, I agree, doing the first diagonal. So it's just one indicator, and it would be great to have a lot of other cross sections, but with the physics, I can put a lot of cross section. But with the volumic indicator, we have a view of the fitness, the goodness of the fit on the whole domain. And I agree that it's better than just one cross section in this direction. But it was one choice, because it's the part where the anisotropy is very, the direction of anisotropy is strongly varying. So it was one choice. I think we can discuss this, we can cross section at other points, and I take suggestions of other diagonals or whatever. All right, and then just before I go on, I have one quick question on the mathematics, and I don't quite understand. Why you need such an elaborate operator such as the Hessian along the implicit scalar field to characterize, or at least to constrain where for the hinge trajectory, this is the constraint we're using, this Hessian operator, I believe, to get the second derivative. And what would be the benefit of using that, which is a little heavier operator than the Laplacian? And in fact, why do you even need to go there? Because even the first and second derivative is going to be zero. So just commenting on how much more information you're getting from using this Hessian operator. The idea, it was to add information about first the planarity, the smoothness locally, and the curvature. With tangent data, you have one information, but if you realize, if you go for development of the function, if you add information about the second order derivative, you will have an information. And this is why what we discussed in the article, because your colleague was also not convinced about
this, this improvement. But we developed a theoretical justification because if you had if you have information about the first order derivative with local flatness, you can add extra information with the second order derivative. Unfortunately, in our case, if this is a already flat surface at this point, so we don't have crucial information. But in some of our cases, with the second order derivative information, you had curvature information which changed drastically the surface. In our case, it happens to not to be very useful. I agree, but the idea behind this was to have this information, right, which was already known for with the potential actually. Yeah. And finally, about the norm, I always find it frustrating when we're building models that the scalar field is like it's behaving very smoothly, and depending on the actual on contact constraints, we change the geometry. But in terms of the gradient size, we get very tight, very telescope contours, or very far apart, high magnitude contours, but we have no influence on that when we use the norm. Like, maybe, is there a way that we can use the magnitude of the norm using perhaps eigenvalues from the eigenanalysis, or is there another way we can somehow enhance the magnitude control as a direct constraint? Okay, you're speaking about the thing, the bias about the norm of the gradient? Yeah. Okay, at the end of the thesis, we know that it's a strong hypothesis which leads to some problems. But at the end of the thesis, we propose four tricks for different approaches to change that. It's just because it's implemented like this and it's using like this and it's working like this. This is the only reason we keep yeah, it. Yeah. But actually, yeah, like that's my concern is because the math is doable doesn't necessarily make the geology more realistic, right? Yeah. This is why. We know that it could be better to use two tangent data, one polarity, and but it's actually costly. It costs a lot in terms of performance, and it's right. Working with this, so yeah, this yeah. is practicing. So. Okay, great. Well, thank you very much. That's great. Thank you, Rick. Thank you. So now it's the turn of Florian Wellmann, professor at Aachen University. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et Laure, merci pour la thèse et la présentation, tous les deux très, très clairs, très intéressants. Et je vais continuer en anglais. That's all my French. Okay. Thanks a lot also from my side. And I have to also, like Eric also said, compliment on the structure of this thesis and the description of the background and theory. This is one of the best descriptions, I have to say, on this topic. So I'm following up a bit on the questions of Eric and Guillaume. A bit some questions on the implementation and also maybe on the practical use and uncertainties. So first of all, also on the question of the second derivative, and you show that in your example in the chapter 4, that basically in this case it doesn't play a role if you're or not. And I was wondering a bit how would it be like. I mean, you also said now in the questions to Eric that basically this is in this case we don't see an influence, or this is a specific type of model that you're using here, and you also mentioned that it's a very mathematical model, and it's of course it has relations to what we observe in nature. But what would you say, how could you think about a strategy maybe to show where it plays a role and to test this in a bit more detail? To show what? To show the effect of the different constraints you've been using, tangents and the derivatives and so on. Okay, this is what I said before. We took this example because it was very, a good example to synthesize everything. But on the other example, I think there is no reason to use second order derivative when not using the tangent data. If you have
local smoothness, you have a first order derivative working, and you should using this. There is no reason to use only a second order derivative somewhere at my point. And there is some example when you're using different value of the range, and with the value of the range, you are not connecting the surfaces as you would like to. And there, using this tangent data would be the introduction of anisotropy information that that makes the difference. But it's some cases when you are not connecting, just you are, like I showed with the convolution, you are in the right line and you are almost connecting, but not. And this is where you can make the difference, I think, with this kind of values, this kind of constraints. But in the global hand, you have this data on the field, so you should use it, but it's not making more difference than contact points, or especially contact points. With experience we made, it like sometimes we prefer to ask geologists to go for some more contact points than using tangents. But with tangents, you can add interpretation and a less degree of interpretation than with contact points, which is a strong hypothesis on the surface location. Mm-hmm. Okay, maybe go to this question a bit more then. Actually, so what is the advantage at all to think about these things when, you know, you could say, well, I'm just going to take 1 million cross sections and draw my geology in 3D exactly what I want it to be, versus looking at different types of constraints that in the way that you've been doing it now. It's been one of the main questions of this thesis, is like, why not drawing exactly the interpretation directly? Mm-hmm. That was not the point of the thesis. Was not. We had some data and we wanted to use it with our model, but it's one point of view, and that's why I left the Matron citation quote at the end, because this is a. It's physiologically different, and we could use it. But if we use the interpret hinge line, do it with using tangent data, which is a not a small hypothesis, but which is a accurate hypothesis on tangent and plane, instead of putting contact points or putting strong constraints. Mm-hmm. At least, but it depends on the approach, and I agree that at the end maybe we want just to draw it, but it's. But I would strongly argue that we shouldn't necessarily draw it, but that's maybe more my point of view when you think about now ambiguities and the question of inference. Let's say, how could you complement this analysis with additional information which you maybe cannot implement in the interpolation itself? Can you think of other type of data that you may have, either observations in the field or other types of measurements that you could use to complement this analysis? Oh, maybe with geophysics or but it's possible also with geophysics cubes to maybe infer that tangent data locally instead of inferring contact points. I think it's possible with what we have. Yes, and what would you say now? And if you again compare the possibility, no, like drawing in 3D in a very detailed manner, what you have in your mind, versus the more data-driven approach that you are using with different types of constraints. How would you compare those two? Think about maybe optimizing or adapting a model or changing a model. Okay, you can calculate. I think you're speaking about the uncertainty on the model we use. Mm-hmm. And with our method, the one point is that we can use a Krieg invariance of the Krieg. Mm-hmm. But I don't know where it can be applied here. And my point is a bit, if you have a model which is very parsimonious, so if you have only few, as little as possible
in a sense, forced points in a sense. It's a lot easier to implement this in inversion approaches, let's say, because you have fewer parameters. And this is, I think, where also a lot of the value of your work is, that you can implement different types of constraints maybe. So I think this is something to, in a sense, you know, to, for an application, this is something which I could think of being very, very relevant. If we go a bit to the constraints, we talked about this already. And okay, but now if you think, so you said that in your case now, coming back to the strategy, this other path asked at the beginning, of course, you use this type of model right now. Let's say you would really want to convince us completely that, you know, which type of constraints make sense in which case. Which kind of strategy would you develop? Which kind of models would you start with? And how would you make them more and more complex? Between the two approaches we propose? Yes, or in general. I mean, of course, if everything is flat, we don't general. Need. Yeah. I think it's really case dependent, but it depends on the complexity of the model we choose. Yeah. I think so, but I have three models in mind. I saw on BRGM and also for each one was a foliation stratification, and for this one, I think using interpreted hinge line of the geologist was kind sufficient. So I think it could be sufficient, and we don't need to develop more complex a complex strategy. Sometimes it's working. So okay. Mm-hmm. Yeah. And for other approach, I think I'm stuck between two things: the volunteer to give a very practical tool to geologists to make what they want actually, mm-hmm. and the volunteer to develop some accurate tool like we did with convolution, and mathematically very interesting, but in practice sometimes not very useful. So. Mm-hmm. I think just I don't recommend such approaches. So. Mm-hmm. I think it's just important to think, like you say, it depends, of course, obviously, on the complexity of the system you want to represent. So how could you test your method maybe a bit more, let's say, automatically and compared to physical reality? If anything in mind? You mean automatically, physically? Compared to physics, you know, to physically possible realizations in nature, let's say. In nature, so yeah. You want me to incorporate physics restoration or space deformation? It's one possible approach, but you need to have objectivity between things if you want to go for restoration or space deformation approach. Mm-hmm. And you, in some complex domains, when you have some, it's like, I don't know, for why it forms, and you are stuck with this kind of method. So the idea of a method was very constructive with observation and not in a physical meaning, mm-hmm. but it's also possible. Okay, one question, one last one, then I'll continue. Let others continue as well. On the kriging of complex kriging you implement in the convolution section. So is this in 2D? The kriging itself, or is it in 3D? Kriging 2E? The 2D, no, the complex kriging. Yes. So it's working in 2D, but you can't use it for 3D for now. This is the question? Yeah. Yes. There is one idea with colleagues, like using two complex kriging in order to interpolate quaternions. Mm-hmm. So because you can write quaternion like a sum of two complex, and yeah. It was on reflection on thought lately. So mm-hmm. maybe it could be using. But there is some quaternion interpolation methods, but they are working on lines, and you're not able to interpolate a complete 3D field for now, but
this is something maybe interesting to perform. So. So in the current state, what you did is then you took one a 2D interpolation, then you simply extrapolated it in 3D, or you simply copied it in 3D. That right? In the current implementation. Yes. Yes. I didn't write it. Yes. Exactly. Because our model is like not Z dependent. So I just took the 2D grid and I put a Z value. Yes. Okay. Okay. Good. I forgot to write it. So thank you. That's it. Okay. Thanks a lot. Then I will let others continue. Thanks. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Chantal de Fouquet, directrice de recherche à l'école de Mines, qui représente l'école doctorale dans ce jury. Tu veux venir à cette Je pense que ici. Voilà, vous m'entendez? Donc, le travail fait une bonne synthèse de différentes méthodes. Je vais peut-être insister un peu sur la partie géostatistique. Alors, on n'aime pas trop rajouter des données parce que finalement, on ne sait pas dans quelle mesure on modifie, on ne sait pas quelle confiance accorder à ces données. Mais on a deux méthodes en géostatistique pour introduire des incertitudes relativement à des données. Il y en a une première qui consiste à rajouter une variance d'erreur de mesure dans le système de crigeage, ce qui permet d'introduire une incertitude sur la valeur elle-même. Et puis, il y en a une deuxième qui permet de tenir compte d'une incertitude sur la localisation de la donnée en randomisant finalement l'implantation de cette donnée. Et à ce moment-là, ça se reflète sur la covariance dans le système de crigeage. Et je me suis posé la question, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à introduire l'expertise du géologue via ces données supplémentaires, mais en tenant compte, en introduisant finalement une incertitude, soit sur la valeur, soit sur la localisation. Je vais vous dire oui. Bon, après, là, ce qui m'a un peu manqué dans mon approche, c'est... J'ai travaillé avec des géologues, mais j'ai un peu travaillé en développant ça dans mon coin. Là, ce qui justement serait intéressant, c'est de rajouter, à la limite, peut-être même en demandant à différents géologues et en testant avec eux différents points de vue sur cette approche-là. Bon, en demandant les données différentes et puis en comparant les différentes données qu'eux m'auraient données. J'ai plus qu'à aller au BRGM avec ça et puis en demandant... un cas pratique où on compare les différentes données que me donnerait un géologue à un autre. Et un peu dans le même esprit, finalement, à la fin, quelque chose qui marche bien, c'est l'estimation en deux étapes, qui consiste finalement à proposer une ébauche du potentiel, dont sont déduits les gradients, dont sont déduits une anisotropie, et puis refaire une nouvelle interpolation. Et je me posais la question, finalement, quel serait l'intérêt d'une approche peut-être un peu différente, consistant à prendre un modèle simplifié de pli, un modèle de pli un peu un archétype, un pli simplifié, d'essayer de construire des champs de potentiel associés, et puis ça permettrait d'introduire ce potentiel en dérive externe, voire même d'introduire des données comme des données de tangence ou même des dérivées secondes orthogonales qui seraient déduites de ces modèles simplifiés. Okay. Et éventuellement, on introduit, soit par dérive externe, soit justement, comme dit précédemment, on peut introduire des incertitudes de valeur ou de localisation. C'est vrai que comparé au fait d'introduire en dérive le problème la forme que l'on veut qui pose des problèmes philosophiques en dérive externe, pour mettre des... En fait, c'est l'idée d'avoir une bibliothèque de formes, notamment une bibliothèque de plis, en disant une structure plissée, exact. On sait que ces valeurs de tangente ou de rondes. Voilà. Pourquoi pas ça, pour l'instant, je ne vois pas d'objection à ça. Après, c'est vrai que dans notre exemple, avec notre pli qui varie fortement, j'ai peur que
bien qu'en ayant des structures poussées en bibliothèque de dérivés externes, imaginons, on ne soit pas capable d'avoir un modèle, de comprendre un modèle aussi complexe en termes d'anisotropie. Je ne vois pas pourquoi il arriverait à comprendre ce qui se passe au niveau des endroits où l'anisotropie est variable et forte. Mais peut-être, on peut imaginer. C'est-à-dire, on a l'impression que si on arrivait à utiliser un modèle synthétique, ça pourrait peut-être permettre d'introduire, par exemple, ces dérivées secondes orthogonales, même de façon approchée. Ouais. Et or, c'est une donnée qui a l'air utile. Ouais. Alors après, là, la question, c'est quitte à vouloir mettre des données de dérivées secondes orthogonales approchées, pourquoi pas, moi, je pensais, même puisque la finalité de ce qu'on veut, c'est peut-être la régler manuellement avec l'utilisateur pour pouvoir contraindre localement la courbure. On n'aura pas beaucoup de mesures sur l'incertitude et tous les outils avec, ça c'est vrai, mais in fine, si c'est le modèle, si c'est la demande finale, je pense qu'il y a ça se discute. Pourquoi pas. C'est intéressant. Voilà, en tout cas, ça ouvre pas mal de champs et c'est clair que une comparaison avec les méthodes type SPDE, ce serait intéressant pour voir avantages et inconvénients des différentes méthodes. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, ben, je vais repasser la parole. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer au directeur de thèse et au co-encadrant. Donc, je donne d'abord la parole à Jacques Rivoirard. Jacques, on ne vous entend pas pour l'instant. Oui, j'ai mis le micro. Je vais mettre la visio aussi. Non. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Alors, le sujet qu'a traité Laure est un sujet assez délicat. Il se situe à la charnière entre les mathématiques et la géologie. Hein. On voit d'ailleurs dans les discussions que parfois on a l'impression de se mordre la queue, de tourner un petit peu en rond. Hein. Laure a fait preuve d'une très bonne adaptabilité à ce sujet, je trouve, et aussi au contexte dans lequel la thèse s'est déroulée. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu à l'historique de ce sujet. Comme Laure l'a dit au début de sa présentation, hein, le sujet remonte à une collaboration entre le BRGM et l'École des Mines sur la modélisation 3D. Et donc, il y a plus d'une vingtaine d'années, des géologues, notamment Gabriel Couriou, qui est dans la salle, et des géostatisticiens, et en particulier Christian Lagrange, ont inventé cette méthode du potentiel géostatistique dans laquelle finalement, on exploite des incréments de potentiel qui valent zéro. Voilà, ce qui est assez élégant et ne spécifie pas d'ailleurs la dynamique structurale au sens géostatistique. Mais n'empêche que cette méthode a permis de construire le géomodeleur 3D du BRGM. Donc, on a vu que ça donnait des résultats quand même tout à fait satisfaisants en général. Mais il y a quelques années, donc, les géologues du BRGM sont revenus à l'école des mines. Et l'idée, c'était d'améliorer le comportement de la modélisation en présence d'anisotropie, notamment de pluie. Voilà. Alors, c'est comme ça que la thèse a commencé. À l'époque, il y avait Gabriel Couriou qui était encore au BRGM, Christian Lajoni qui était encore géostatistique à l'École des Mines. Mais en cours de route, ça a changé. Voilà. Les encadrants ont été renouvelés. Simon Lopez a fait le relais.
Jacques, on ne vous entend plus. Oui, quelqu'un m'avait coupé le micro, mais c'est parce que j'avais une sonnerie de téléphone, peut-être. Voilà, excusez-moi. Donc, finalement, les encadrants ont été renouvelés. Hein. Simon Lopez a pris le relais de Gabriel Couriou. Xavier Frelon est arrivé à l'École des Mines aussi et s'est investi dans le sujet. Et donc, Laure a réussi à faire, à travers tous ces mouvements, à développer un sujet de façon intéressante. Hein. Maintenant, je ne vais peut-être pas poser de questions techniques puisqu'on a l'occasion d'en discuter. Hein, donc, je me borne juste à cet aspect historique. Merci. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Xavier Frelon, chargé de recherche à l'École des Mines, qui est un membre invité de ce jury. J'ai été obligé de couper le micro de la salle à cause des problèmes de son. Il faudrait, Laure, que tu réactives le micro de la salle pour qu'on entende Xavier. Vous m'entendez ? Voilà, c'est bon. Ok. Laure, il faudra pas s'étonner, Laure. On sera obligé de faire ça pour éviter d'avoir les parasites et réactiver quand il faut répondre, du coup. Ouais, mais réactiver, ça, à chaque fois, ça prend du temps. Ouais, je sais. Donc, merci, Madame la Présidente. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de questions, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter pas mal, peut-être, avec Laure directement. Je voulais rappeler un peu la difficulté du sujet. D'une part, un peu de traduire des observations de terrain en paramètres ou contraintes sur un modèle a priori fixé, le potentiel. Il y avait aussi, d'autre part, le modèle du potentiel. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un modèle assez instable. Et rajouter une donnée supplémentaire ou pas, on peut se retrouver avec des formes assez variables. Donc, c'est cet aspect difficulté un peu lié à la méthode du potentiel qui a été utilisée. Et puis un troisième point, c'était la validation du résultat. Il y a eu plusieurs discussions, déjà questions sur savoir le résultat est-il réaliste, est-ce qu'il correspond à nos attentes. Et là-dessus, on est resté un peu au niveau du qualitatif et définir des indices quantitatif, ça reste encore un challenge. Donc, malgré un peu toutes ces difficultés et un contexte difficile, Laure a réussi à finaliser cette thèse, d'autant plus dans des conditions, cette dernière année, un peu compliquées pour tout le monde. Elle a réussi un peu à explorer des nouvelles pistes, retrouver d'anciennes pistes qui avaient été un peu oubliées dans le cas de la tangente, avoir pu identifier aussi, des voies sans issue un petit peu. La dérivée d'ordre 2 n'apporte pas grand-chose elle le dit assez clairement. Donc voilà un peu mes commentaires sur ce travail. Et moi, avec un petit peu un regret sur l'absence d'application réelle. Donc, est-ce que tu peux parler pourquoi on n'a pas réussi à montrer sur les jeux de données les avancées que tu avais proposées? Hop, vous m'entendez? Je crois que personne ne m'entend. C'est parfait, si, c'est parfait, Laure. C'est bon ? Ah, parfait. Merci, Xavier. Alors, je l'ai mis finalement en annexe de la thèse parce qu'on avait commencé à travailler sur deux jeux de données complets qu'on m'avait donné le BRGM. En fait, j'ai commencé à le développer dans mon code prototype. J'ai un code prototype sur R et un code prototype sur Python. Et j'étais avec un jeu de données réel rapidement limité avec l'implémentation de ce que j'avais, puisque il y avait beaucoup de données et du coup les calculs ont été très longs
Et donc, il y avait pas mal de travail d'optimisation à faire qui m'a pris d'ailleurs un peu de temps. Et en fait, même en ayant terminé en quelque sorte de faire tourner les modèles pour les comparer qualitativement avec l'attente ou non du géologue, c'est sur les outils prototypiques, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tous les outils pour capter la géologie autour. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est pouvoir les implémenter dans les outils commerciaux ou dans les outils déjà finalisés. Ce qui n'a pas pu être le cas pour des raisons de contrat. Et donc, je me suis restée un peu sur ma faim avec ça, avec les surfaces que j'ai obtenues, qui sont des surfaces que je peux visualiser sur Paraview, mais sans regard critique. C'est difficile d'amener un géologue à avoir un regard critique sur ces surfaces sans avoir le contexte de développement autour. Voilà. Mais donc, tout est développé en annexe et il y a tout ce qu'il faut pour. Donc, et puis même les fonctions de covariance dérivée quatre fois, tout ça, c'est plus qu'une question d'être mis dans la boîte en quelque sorte et que pour que ce soit terminé. J'espère pouvoir le faire et surtout j'espère pouvoir que ce soit réalisé à la fin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Simon Lopez, qui est le co-encadrant du BRGM. Si vous m'entendez et vous me voyez. So I will try a few words of English just to keep Eric awake, even if I don't feel very subtle, generally and even more in English. So Jack and Xavier, I will not ask you questions. I think you had enough of my questions, so, and you will have even more maybe soon. So I will not ask you questions today. Obviously, I will congratulate for your work, all of your work, your report, which is relatively concise. You cover a very wide range of subjects, and it was not such an easy task, I think. And I congratulate you for your oral defense. Et je vais passer en français parce que pour le reste, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais parler doucement. I will speak slowly, Eric. Les mots qui me viennent par rapport au sujet, déjà, c'est l'idée de contrainte ou de limite ou de cas limite. Tu as essayé d'expliquer avec la citation de Matron, tu nous l'as dit, je me place dans un cas limite. Je suis à la limite de ce que peuvent apporter les données, entre ce qu'apportent les données et ce qu'apporte le géologue. Donc, c'est... Je me mets des contraintes et je sais que j'ai des contraintes et ça rend les choses difficiles. Et puis à ces contraintes-là, se sont rajoutées des contraintes qui ont été déjà rappelées par Jacques et Xavier, la contrainte sanitaire que tout le monde a connue, qui a rendu l'encadrement à distance encore plus difficile, hein, parce que bon, les visios, ça ne remplace pas l'interaction physique ou le fait de pouvoir échanger en présentiel. Le contexte de renouvellement générationnel qui a été évoqué. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui s'est succédé autour de toi. Alors aujourd'hui, je suis membre du jury du BRGM, hein, mais il y a bien sûr Gabriel Couillot, donc qui a eu l'idée initiale de ce sujet, hein, qu'il a porté pendant de nombreuses années pour essayer de montrer que c'était important. Et vraiment, l'arrivée de cette thèse a permis aussi de le montrer, je pense, en tout cas d'avancer, ça a permis d'avancer sur ce sujet-là. Je pense aussi à Bernard Bourgine qui a été là sur toutes les réunions techniques et qui a suivi le sujet techniquement et qui était très intéressé techniquement par tous ces développements. Avec le recul, je ne sais pas si ça t'a aidé d'avoir toutes ces personnes autour de toi qui parlaient, qui avaient plein d'idées, qui étaient dans tous les sens. En tout cas, ce que je regrette, c'est que je me dis peut-être que ça n'a pas été à t'affirmer parce que je pense que tu... Enfin bon... T'as beaucoup à dire, et tu nous l'as montré en fait, donc ça c'est vraiment bien. Et bon, bref, t'as eu toutes ces personnes autour de toi, et je pense que ça a été difficile. Après, je voulais aussi rappeler comment est utilisée la méthode au sein du BRGM. Donc, elle est utilisée pour produire des modèles en production. Et je ne suis pas sûr que tous mes collègues du BRGM qui font des modèles géologiques utilisent la méthode et l'outil dans lequel elle est implémentée comme un outil de géostatistique. Je discute rarement avec eux d'inférence de variogramme, par exemple. Ils utilisent tel quel avec le variogramme qui arrive avec l'outil et les paramètres qui viennent avec. Et donc, on se situe dans l'utilisation déjà de la méthode via l'outil dans,
dans un cas limite, on retrouve encore cette idée de contrainte, de limite, entre un outil de dessin, parce que j'ai envie de voir ce que je pressens de la géologie, et un outil de géostatistique qui va nous permettre d'explorer justement les possibles, quantifier en tout cas l'incertitude. Donc on est toujours sur ce flottement et ces cas d'études limites. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais rappeler. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Puis comme je l'ai dit, hein, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Ah oui, juste, je voulais juste rajouter le point que j'ai oublié, c'est il est évident que la crise sanitaire a joué en t'empêchant de venir travailler sur les données au Berger. Mais ça, bon, j'ai essayé de remplacer Gabriel, mais ce n'est pas possible de remplacer Gabriel. Donc la partie géologie avec moi, tu l'avais beaucoup moins. Et comme tu n'as pas pu venir au Bergem, ben, ça a été difficile de se confronter aux données. Mais bon, vu qu'on devrait avoir une année pour en reparler, j'espère qu'on aura l'occasion de tester. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, alors, ce n'est pas fini. On va passer à mes propres questions. To make things easier for Eric and Florian, I'll try to do it in English. So first of all, thanks to the director of the thesis for inviting me. I am not from geosciences, I'm from 3D computer graphics. And it was really interesting for me to see how you are using this heterogeneous and the sparse data, which are also noisy, and how you can infer shapes using them. So it was really interesting, and especially for me, because I've been working a lot in implicit modeling in computer graphics. So my first question is about the portée globale, I mean the range of your covariance method. I was surprised that you're using this global, I don't know the word in English, but this global impact of your data on the whole domain, while in computer graphics, we are mostly trying to get a local control on the shape using these point-based constraints. So could you explain me and at which range in kilometers in geology would it be interesting to have more local control? Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend, parfait. Ah, on m'entend, ok, super. En fait, l'idée derrière ça, c'est de ce qu'on prend, on essaie de prendre toutes les données en considération et donc de prendre un domaine complet. En pratique, ce qu'on prend, c'est une portée qui, en tout cas ce qu'on observe au Bergem, une portée qui est équivalente à la diagonale du carré ou rectangle que l'on considère en considérant la zone d'étude. On ne veut pas prendre localement l'influence de certaines données, parce qu'on pourrait prendre des petites portées, parce que l'idée, c'est que toutes les données sont connectées vu qu'on est sur un même champ de potentiel et qu'on veut prendre en compte toutes les influences de ce champ de potentiel. De plus, si on prend localement, on va avoir, si on superpose, du coup, ce que ce sont des sortes de moyennes glissantes, on superpose les portées, on va avoir des interférences entre les différentes interpolations qui sont les différentes influences. Because you're using a small domain in terms of kilometers. If you took, for instance, a map of a whole country, a point in the Alps should not have influence on a point in Pyrenees, for instance. Yes. So this was the sense of my question. What is the range you are studying in terms of kilometers, and from at which scale would it be interesting to have more local control? En fait, ce qui se passe, c'est en parlant d'un seul champ de potentiel, mais quand on fait des modèles complets, on utilise plusieurs champs de potentiel qui définissent des endroits différents dans des grands champs d'études. Par exemple, en parlant des Alpes, on va avoir le champ de potentiel qui va représenter une partie qui va être la partie sédimentation à l'endroit, une autre partie qui va être la partie ce qu'on appelle le socle, etc. Donc en fait, si on les domaines entiers des modèles d'études, ils vont être sur des trentaines de kilomètres. Mais on va pouvoir prendre en compte différents champs de potentiel. Et du coup, dans un champ de potentiel, on va utiliser une interpolation et donc une portée pour ce champ de potentiel. Donc, ça a du sens de prendre une portée globale, générale pour chaque champ de potentiel qui, à l'échelle du domaine, au final, est plus petit et représente, et tout est connecté dans un champ de potentiel. Parce que l'idée derrière, c'est que ce sont des surfaces qui sont concordantes et qui se modifient ensemble dans l'espace. Celles qui sont totalement discordantes, elles sont dans des champs de potentiel différents et donc pas interpolées ensemble. OK, thank you. I was also wondering about the validation method. So for the moment, it was mostly visual validation. But if you were computing a numerical validation with numerical comparison of the two surfaces, would it make more sense
to just compare the altitude in Z of the two surfaces, or to compare the distance between surfaces, which could enable to compare the shapes while enabling to have a shift between the position of the two surfaces with two different methods. Okay, I will make the effort to speak in English. So for what we did in the article, it's like to compare vertical distance. It's possible because our models are vertically. There is no recording. There is no spatial shape with two Z for one XY. It could be useful to calculate in XY. I'm not sure because it's okay for our case when so we are comparing faults with a main structure which is moving, but we have also the vertical distance. So I think what we did is like an integral between these two surfaces, and we have the whole intersection domain. So it's computing both. It's like counting vertical and XY distance. I'm not sure I understood well. I think it's good. So so one of my questions about the use of deep learning in this kind of problem was already asked, but so we already have these two solutions, either trying to use deep learning and example-based modeling, either using a priori knowledge. And I was wondering in reverse, if using more prior knowledge would be interesting. For instance, you say that in many cases, people are using more gradient data, but the norms of the gradient are unknown. I liked your two steps approach, where you first do a first course approximation and it helps inferring something else. Could we use the first course approximation to get some data on the possible norms of this gradient and then use the gradient with corrected norms? Actually, it could be a good idea. I didn't think of it before. Maybe it's a little bit cost, with some cost to do this just in order to have gradient norm, because as I proposed in one of the appendix, you can define one norm and just let the other two dungeon data and computing like this. It's something possible. After this, I'm not sure it's the most efficient calculation, but maybe yes. Okay, in your last results, where you are sampling the gradient based on the first approximation of the field function, you have some artifacts which seem to me being linked to the grid, which was used to sample the gradient data. Here you could use some prior knowledge that in fact what you are trying to interpolate is smooth. So did you try to do some smoothing to improve results? And because here it's really due to your sampling with the grid. You're meaning with the convolution method, the last one. Yes, the noisy aspect. Yes, yeah. We can do some post-treatment for smoothing and everything. But still, I think it's not the idea to. In the old case, the method is already smoothing things, and it's sure it's why, because I'm using my grid, and since I have performance problem, I use a small grid in this example. But with a finer grid, I'm not sure we will have this problem. And also, I think there is some some improvement with not using a numerical gradient and using a true function of a gradient. I'm sure it will. Yeah, very good. And this was exactly what I wanted to suggest. Why, instead of using a grid, don't you use skeleton-based implicit surfaces for your first field? Then it's surfaces, Pontryagin fields that are generated by curves, like convolution surfaces, for instance. And with this curve-based approach, you would have a completely analytical definition of your gradient, which could not have any grid artifact. Do you think about this? Yes, it's possible. It was one on the approach proposed at the end. So if I understood well, you draw your skeleton, you use an implicit approach with distance to the skeleton, and you use this function to inference the gradient? Yeah, exactly. Yes.
Maybe it's a little bit still a lot of effort to just this information, but it should be working. So it's less efforts because, in fact, when you compute the gradient, it's much more efficient than using a grid. And also, more generally, right. The data you have are curves. And what strikes me in your presentation is that even geologists, when they describe the interfaces between two layers, they have the interfaces shows to them as a curve, and they have to pick some specific points instead of being able to take this vector curve as input. And the same when you are sampling what you call the charnière in your thesis. While you have a curve data, you study several ways of sampling it. Wouldn't be interesting to study ways to take this curve data into account? Yes, to use the interpreted inch line, you mean, yes. But not what you want? At least those which are on the terrain, like the limits between layers that the geologists see on the terrain. Yes, but contact point has more value than the drawing of this interface. This is the I don't know, the ground of the method, because this value is accurately sampling on the field, and interpretation as a so the line draw the draw line as an interpretative value more powerful. So we want to avoid this draw as much as possible, but it has value, even if it's less value than contact points or sample data. And this value, for some cases, like a variable anisotropy of this line, could be the only thing we have, and this is why we should use it at this time. Okay. Si, merci beaucoup. Donc, okay. C'est tout pour mes questions. Donc, maintenant, le jury va se retirer pour délibérer. Donc, nous allons nous aller sur un second lien Zoom. On vous laisse ici avec le public et on va revenir dans un moment pour donner le résultat de cette soutenance. Je retrouve le jury sur l'autre lien. Eric, you have to switch video link again. Bon, on peut parler maintenant. Exactement. Super, Laure. Par contre, on ne t'entend pas. Hein, on ne t'entend pas, Laure. Alors, voilà. Bah, tu as beaucoup de mérite, Laure, parce que bravo, félicitations. Ça n'a pas été évident avec tes histoires de discours. Hein. Grosse basse. Je ne sais pas qui me parle, alors merci à tout le monde. Franchement, t'as géré de ouf, t'as un anglais de dingue. C'est Angélique qui parle. Non, c'était une très belle présentation. Et ouais, comme les autres ont dit, t'as géré avec le micro. C'est pas facile pour toi. Quoi. Vous n'entendez pas le micro ? Non. En fait, le problème, Laure, c'est que là... de la salle, elle capte le moindre bruit, d'accord ? Là, on ne peut pas t'imaginer tout ce qu'on entend. Là, actuellement, j'imagine que Xavier et Chantal sont en train de bouger des voilà, yeux. Oui. C'est horrible dans nos oreilles. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que je vais poser une question, d'accord, j'ai désactivé le micro de la salle pour qu'on puisse entendre les questions du jury. Ouais, je me suis douté, mais le problème, c'est que pour le réactiver, il faut faire, appuyer 15 fois sur le bouton... Ouais, je sais bien. C'est pour ça qu'avec Émilie, après, on ne savait plus trop si on devait le couper ou pas. Mais parfois, il fallait, parce que rien que bouger une feuille, la pieuvre, elle capte tout. Je pense par contre que du coup, il faudrait que ça soit... Enfin, ça, c'est pour les prochaines fois. Hein. Maintenant, c'est fait. Mais en fait, que Laure le coupe, elle, parce qu'en fait, il y a un temps de latence entre le moment où elle réactive la pieuvre, elle entend que ça ne marche pas, et le moment où vous réactivez, et du coup, elle a redésactivé la pieuvre, et c'est ça qui faisait la perte de temps à chaque fois. C'est probable, et d'ailleurs... Je pense qu'une pieuvre, ce n'est pas optimal. Hein. Non, mais c'est sur des hybrides, on se prend la tête toujours avec ça. Mais c'est non, mais il faut un micro-cravate hein, quand on expose, il y a quelqu'un qui parle. Hein. On n'a pas besoin d'entendre tous les bruits du reste du monde. Hein. Ouais. Il y avait une autre possibilité, Laure. Il y a un bouton au milieu de la pieuvre pour faire mute. C'est toi qui me gères, en fait. Ouais. Bah, je l'ai utilisé, mais bon, du coup, ça bypassait. Ouais, voilà. En fait, dis-toi que dès que tu as passé la parole, tu appuies sur le bouton et dès que tu veux le reprendre, comme nous, on fait avec Zoom, en fait.
Et là, c'est toi qui gères dans ce cas-là. Et tu es sûr qu'on n'entend plus rien de la salle, parce que c'était vraiment ça le problème, en fait. Mais bon, tu t'en es vraiment très bien tiré. Puis alors, surtout, tu n'es pas déstabilisé. Donc, félicitations. Hein. Vraiment, ouais, t'as géré de ouf. Moi, je comprenais rien, alors je ne veux pas être déstabilisée. Là, je suis désolée, on a vraiment essayé de faire au mieux. Arbitrage, est-ce qu'on va la déranger ou est-ce que là, c'est vraiment trop... Je laisse Émilie et Fabien gérer. Non, franchement, voilà. C'était top. T'as été resté hyper... Même le petit truc au début, on pensait qu'on avait les gens, on pensait qu'on les avait pas. Et d'ailleurs, Roberto, Bruno est arrivé avec 20 minutes de retard, en fait. Il n'était pas dans la salle quand Jacques a fait sa demande. Ah, parce qu'on avait peur qu'Eric ne se réveille pas, parce que quand même, il était 2h30 pour lui. Ouais. Je lancerai les résultats. Alors, n'oublie pas de la salle en faisant mieux avec, avec le bouton physique, comme ça, ça permettra de... Voilà. Le mieux, c'est de me laisser le couper, non ? Exactement, c'est ça, tout à fait. Bon, j'attends que tout le jury soit là, mais j'ai un peu de moyens de le vérifier. Donc, alors, voyons. Si le jury, les membres du jury peuvent mettre leur caméra, je pense que je pourrais plus facilement voir s'ils sont bien là. Et peut-être les autres participants. Comme on est nombreux, moi, c'est bon, je suis là, Guillaume, je suis là. D'accord. Florian aussi. OK. Donc, les deux qui sont dans la salle sont là également. Jacques, est-ce qu'il manque encore des membres du jury? Je suis là. Moi, Jacques, je suis là, oui. D'accord. Simon, alors, Florian est là. Est-ce que Guillaume est ici? Roberto Bruno est là. D'accord. Simon aussi. Bon, mais je crois que c'est bon. Eric n'est pas là, non? Eric, je ne le vois pas. Non, Eric, je le vois pas. Bon, il nous a pas dit qu'il ne rejoindrait pas. Eric, are you here? Pas de réponse. Bon, ben, je laisse les encadrants de thèse me dire si je peux commencer ou si j'attends le dernier membre du jury. Je lui envoie un message. Moi, je le vois dans la liste des participants. Parfait. Bon. Alors, donc, c'est qu'il est arrivé. Il est arrivé. Ah, d'accord. Oui. Donc, je prends la parole. Donc, Laure, donc, tu nous as présenté un exposé très clair et bien illustré qui a constitué un excellent complément à ton mémoire de thèse. Tes travaux ont porté sur le problème ouvert depuis longtemps de prise en compte d'une anisotropie variable dans la reconstruction de surfaces géologiques. Ce problème est rendu plus difficile par la nature parcimonieuse et hétérogène des données, de nature objective ou même parfois subjective. Le résoudre demandait des compétences à la charnière entre mathématiques et géologie, faisant appel à des outils déterministes et probabilistes. Tu as très bien su souligner ton cadre de travail, tes hypothèses et ta démarche. Tu as étudié de manière systématique et apporté une vision nouvelle sur certaines pistes encore peu explorées, et tu as su apporter tes propres solutions nouvelles.
ton travail aura certainement un impact sur l'utilisation de données géologiques existantes, ouvrant la voie vers des modèles plus réalistes de terrains complexes. Tu as également répondu avec beaucoup d'assurance aux nombreuses questions du jury, montrant une très bonne maîtrise des outils utilisés et apportant des précisions intéressantes sur tes réalisations. Pour toutes ces raisons, le jury unanime te décerne le grade de docteur de l'Université de recherche Paris Sciences Lettres pour une thèse préparée à Mines Paris Tech. Félicitations. Alors, je vous donne maintenant la parole à Laure qui veut peut-être nous dire quelques mots. Ok, j'ai réactivé mon micro normalement. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ok, super, je vais m'asseoir. I will start in English, so thank you. First of all, I would like to thank the jury members. Thank you, Marie Polkeny, for being president of this session and for bringing your computer graphics knowledge in this session. Thank you, Professor Roberto Bruno and Professor Como, for bringing your expertise in your knowledge from your domain and examining my work. So thanks a lot. Thank you, the other examiners. Thank you, Eric and Florian, Professor Wellman and Eric, sorry, Eric Decamp, thank you for being there at this time of the night. So thanks a lot. And thank you, Chantal, also for being examiner at the last minute. So thanks a lot for helping me in this time. Thank you, Xavier, for being there. And I would also like to thank supervising of this work. So thank you, Xavier, also, because you were jury members and you were here for the last part of this work. Thank you, my thesis director. Thank you, Jacques, for being the coolest director ever. Thank you, Jacques, for being there all the time and giving me a lot of freedom in my work. So thank you. Thank you, Gabriel. I'm not sure you're still here, but thank you, Gabriel, for bringing me geology and geomodeling in my thesis and in my life also. Thank you, Christian Lajeuny, for being there for the first part of this work and for bringing me the mathematical part and a lot of part of this work and especially all the development. So I'm very grateful. I'm sure I will forget someone. Thank you. Simon also for being the part of the BRGM and spending a lot of time with me discussing about data and geologists and all these things. I'm happy we continue together next year. Thank you, Bernard, and all the people from BRGM that I met there, especially during the field trip I could enjoy, especially in Alès. So it was a very great experience in a geomodeling point of view. Thank you also people from Mines Paris Tech. So thank you the geostatistical team, the supervisor I mentioned. Thank you for being there for the different advice you could give me. Thank you also, I see Didier. Thank you, Didier, for the advice. But a special thank to Emily, who has been there for the very last moment, for the very critical situation before all the important events. So thank you, Emily. Thank you also, people I was there, and I think to Lantu and Gaël. And in Paris Tech, I would like also to thank. It's okay, Chantal. There is two people I've been working with and who are not in the statistical team. I would like to thank Robin a lot because he spent a lot of time with me during development of derivative, and we spent a lot of time in a mathematical background, and I'm very, very thankful. And also, I would like to thank Nicolas for being spending a lot of time, a lot of
of rewriting and reading and coaching time. So thank you, Nicolas. And there is also people from the PhD students from geoscience. It's a very, very enthusiastic and very friendly team. And I'm very thankful for all the support I had there, especially for the PhD student from Geostat, people who are very fan of Georges Matron, and there is the Geo Group that I would like to thank. Thank you, Jean, for being there all the time, and Léa and Marine and Mike and Ricardo, thanks a lot. And all the PhD students from Geoscience, we will talk later, and I will thank you later for all of this. And also, I would like to thank my friends and my roommates also, who are like spending the last moment with me, and my family, and especially my mother, my father, and my brother, even if it's like my brother, and it's not very, it's not, I don't know, it's ugly. And I would like to thank also my grandmother and my grandfather who left during this phases, but who gave me some naturalist patient, I don't know. So I would like to dedicate this work to him. And thanks a lot. And I'm very sorry if I forgot someone. Bravo, Laure. Bravo. Bravo, Laure. Bravo. Bravo. Félicitations, Laure. Bravo, Laure. Bravo Laure, on pense à toi. Bravo. Allez, pas de petites larmes. Bravo. C'est encore meilleur en Zoom comme ça avec tout le monde. Merci beaucoup. Il manque la phrase habituelle. Oui, on regrette de ne pas tous pouvoir participer au pot. Bah, c'est comme ça, c'est malheureusement. Je propose qu'on picole chacun dans notre coin, ça va le faire. C'est ce qu'on fait à chaque fois, non? Au revoir. Après, au revoir, merci beaucoup. Bravo encore. Bravo là, t'as géré. Encore, bravo. Franchement, ça avait l'air facile. Hein. Quand tu l'expliques comme si ça. Ça tu vas voir, toi, dans une semaine, tu passes à la casserole. Au revoir, Laure. Au revoir, Gaël. C'est pas bien. Mais quelle heure est-il ? OK. Thank you very much. Bye. Félicitations. Au revoir à tous. Would it be nice to celebrate now? Plus, Laure. Yeah. That's what we are missing most. Congratulations. All the best, Laure. Yeah. Santé. Eric, sleep well. I will. Yeah, good night, Eric. Or I'm not sure. Good, whatever. All right, good seeing you guys. Thanks a lot, Marie-Paul. Yeah. All right. And Gabi, also great to see yeah. you. Yeah, Gabi, it was great to see you as well. Yep. Hi, Florian. Florian, nice to see you. Nice to see you again, everyone. Yes. Right on, Gabi. Yeah. In person. We have to repeat this at some stage, Laure. You have to make a party in the summer. Yeah, absolutely. All the best to everyone in these strange times. Yep. Yeah. Stay safe. Right. Bye. See you. Okay, guys. Bye-bye. Enjoy. Bon. Non, mais on se retrouve. Oui. Hein, bon. je suis conviée. On se retrouve dans la salle d'à côté. Ah, dans la salle juste là? Non, en géostat. Oui, voilà, c'est ça. Géostat. Bon. On a beau dire, même si on est... Voilà. Ah oui.